Salut tout le monde, ou plutôt bonsoir. Comment vous allez? Déjà, je vais passer directement à Cassie, je viens de voir, il n'y a pas de souci Cassie, t'en fais pas, je suis désolée. Cassie, on fait tous un coucou à Cassie qui va nous quitter parce qu'elle ne veut pas se spoiler, elle a tout à fait raison. Et on lui fait des gros bisous. En tout cas, merci d'être passée Cassie. Et puis bah moi en tout cas, merci pour tes cours parce que j'ai regardé tes lives pour avoir des cours sur Star Wars et je t'en remercie. Alors j'ai pas le t-shirt, hein, je suis pas comme Cassie. Mais je vais essayer d'être à la hauteur au niveau de tout ce qui est Star Wars parce que j'ai encore tourné un autre épisode, la suite de mon let's play qu'il y a sur YouTube. Et j'ai encore eu la chance de découvrir qu'il y avait plein de mots que je savais pas dire. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises. En attendant, je vous remercie d'être tous là. Bonsoir à Julive, salut à toi. Coucou Aurélie, coucou Yanif, coucou Nada. Première fois que j'arrive enfin à l'heure. Bah, tu vois, il y a un début à tout. Hein. Bonsoir Nélise, bonsoir Lessa, bonsoir Lélerne, Lily Snow, bonsoir à toi. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Emma, bonsoir Claire, bonsoir Analoka, faut que j'arrive à prononcer. Katsi, bonsoir. Lison, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis impatiente de découvrir tout ça. Electrasim85, salut, ça va très très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je suis impatiente de découvrir tout ça. Alors, je vous ai préparé une petite cimette parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais en vidéo sur YouTube. On va partir sur toute autre chose, mais on reste dans Star Wars. Coucou Nika! J'espère que vous allez bien. Alors attention, je vous présente ma Sims. Et voilà! Alors est-ce que vous la trouvez sympathique? Une petite tête de vaurien, ça lui va bien. Je viens de finir ton 10 quêtes, j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite de leur prochaine aventure. Ça arrive très prochainement, prochain épisode, bientôt, bientôt. Bonsoir Céline! J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis désolée, mais du coup, très bonne soirée. Il n'y a pas de souci, Cassie, je te fais des gros bisous. Des bisous à Cassie. Bonne soirée à toi, Cassie. Bonsoir aux arrivants. Oui, bonsoir à tout le monde. Et attention, donc, je pense que vous avez tous été un petit peu voir ce qui se passait. Vous savez tous un petit peu comment on arrive sur Batuu. Batuu et pas battu. J'ai bien compris la leçon. Yannis, trop stylé. Merci. Elle est badass, dis donc. Attends, hey, on fait une vaurien. Enfin, on va essayer de faire une vaurien. Donc, j'ai essayé de la mettre à la couleur de ce qu'elle va devenir. Voici ma demoiselle qui va partir immédiatement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez... Est-ce que vous avez tous vu des trucs de Star Wars? Vous avez tous testé? Ou il y en a qui ont... Poppy, j'ai failli rater! Ouais, pas mal ta meuf. Ah, t'as vu, elle est belle, hein. Est-ce que vous avez tous déjà vu du Star Wars ou il y en a encore qui n'ont jamais rien vu? Parce que dans ces cas-là, vous allez tout découvrir et franchement, j'étais pas partante, mais c'est un petit bijou. Enfin, pour le moment, c'est franchement, c'est super sympa. J'ai vu ta vidéo et le live de Cassie, d'accord. Il y en a qui sont déjà bien au courant. Alors déjà, pour aller à Batuu, une chose qui est assez particulière, il faut partir en vacances. Ça, c'est le truc qui est assez spécial. Mais on va dire au moins... Ça veut dire qu'on risque pas de rencontrer des gens. Donc, j'ai vu ta vidéo aussi. Génial. Jamais vu, c'est vrai, Nélis. Ah! Oui, Cassie, elle veut pas se spoiler par rapport à Star Wars. Cassie, elle aime bien découvrir les trucs par elle-même. Et du coup, vu que on part sur du Star Wars, elle a préféré ne pas venir. Moi, j'ai vu. Ah! Bon, alors, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas vu. Alors, Batuu, c'est parti. Et direction, écoutez, on va commencer par l'avant-poste parce qu'apparemment, c'est vraiment l'endroit où vous avez tout, finalement. Dans le quartier du Premier Ordre, c'est vrai que, hormis rencontrer le Premier Ordre, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ensuite, le campement de la Résistance, je n'ai pas encore assez exploré. Mais déjà, nous allons aller à l'avant-poste de la Flèche Noire, c'est-à-dire un peu l'endroit des Vauriens, justement. Et c'est exactement ce qu'on veut, nous, parce qu'on veut devenir Vauriens. Et en même temps, j'ai cru comprendre que peut-être en tant que vaurien, on peut après divaguer dans d'autres clans, ce qui va être assez sympa. Et forcément, vu que j'ai fait Premier Ordre en vidéo, on ira peut-être voir ce qui se passe un peu du côté de la Résistance. Donc nous voici arrivés sur Batuu. On utilise la monnaie Crédit Galactique et on va pouvoir découvrir toutes nos missions dans le panneau de carrière.
Et voilà. Bon, la première mission, franchement, elle n'est pas compliquée. Si vous avez vu les let's play de tout le monde ou les lives de tout le monde, vous le savez, on a juste à découvrir un petit peu la map, c'est-à-dire aller à la demeure qui va nous permettre de changer de tenue, mais en même temps de dormir, de faire pipi et de se laver. Très intéressant. Et ça se trouve, normalement, alors maintenant que je connais un petit peu, je devrais pas trop me planter. Et ben c'est pas là. D'accord, ça commencerait très bien. C'est juste là, yes! Donc, on va changer de tenue. Ok. Elle est où? Mais elle y va pas du tout, là. Je t'ai demandé d'aller te changer de tenue. Me fais pas un truc comme ça, là. Non, je veux que tu changes vraiment de tenue, vas-y. Elle veut pas y aller. Ah, prévoir une tenue! Putain, je suis trop bête. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je pense que c'était plus facile pour eux. Ouais, je pense que c'était une question de facilité. Au moins, ça avait évité que les gens se promènent dans nos maps. Et franchement, on va pas s'en plaindre. Ouais, je me suis plantée. Coucou Béa. Ou Béye, je sais pas comment on prononce. Bonsoir à toi. Oui, on va très très bien. Ouais, j'ai fini par trouver toute seule. Ah, Cathy, ouais, je vois que t'es au courant. Hein. Bon, au niveau tenue, moi j'avais très envie de faire autre chose que ça. Ah, c'est bien ce que je me disais en fait. Hein. Celle que j'aimais bien, on peut pas la voir. Hein. Elle est pas là. Bon bah du coup, elle va rester comme je l'avais habillée, c'est-à-dire comme ça. Très bien. Allez, on adopte ça. En fait, on s'en fout un petit peu de la tenue hein, quand même. Hein. Bonsoir Laura. C'est bon, tout le monde est couché? C'est calme dans le dortoir, donc je viens. Et maintenant, on croise les doigts pour Taco. Hein. Lilira, bonsoir à toi. Bah moi, ça m'arrange pas que les déguisements, les déguisés restent à Batou. Tu sais pourquoi? Bah si, ça t'arrange. Ça t'arrange pas. Bah, je pensais que ça t'arrangeait, justement. Se rafraîchir, c'est très bien, on y est, on va le faire. On va se rafraîchir et ensuite, on va aller manger un petit coup. Alors c'est pareil, c'est vrai que le côté campement, moi franchement, personnellement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un campement qu'on puisse voir, mais en même temps, ça nous évite d'avoir à faire le pipi, la douche, dormir. Au moins, il y a tout qui est fait d'un seul coup, c'est plutôt pas mal. Au moins, on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire s'occuper de faire des missions. Et franchement, c'est ce qu'on veut. Hein. Et Mara, bonsoir! Petit coucou rapide, mais je reste pas pour ne pas me spoil. Il n'y a pas de souci, Aymara. Et on attend impatiemment ta suite. Surtout, n'hésitez pas à aller voir Aymara. Elle a une chaîne où elle commence un let's play. Et moi, j'adore son univers. Et je suis sûre qu'elle va nous réserver des belles choses. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'elle partait dans le clan des Vauriens aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube Aymara. C'est un petit coup de cœur. Moi, j'adore ce qu'elle nous propose. Une belle découverte, si vous ne la connaissez pas. Lise, qu'est-ce qu'il y a? Bon courage. Je vais pas pouvoir rester. Ah, je regarderai la rediff. Je commence le travail. Oh bah attends, si tu commences à 5h, va dormir. Bonne soirée à toi, je te fais plein de bisous. Bonne soirée, Nélise. Merci d'être passée. Que vas-tu jouer? Je vais jouer les Vauriens. Les Vauriens, on va faire les Vauriens. On veut voir ce qui nous réserve les Vauriens. Ensuite, on va les manger. Et déjà, ça sera fait. Et du coup, j'ai changé d'aspiration et j'ai pris l'aspiration Corsair Galactique. Donc on doit commander à boire à la cantina, faire 5 manches de sabac. Oh le sabac c'est une horreur. Et atteindre le niveau 3 dans la compétence programmation. Mais ils sont ouf comment je fais ça moi. Je vais où pour faire ça? Si mon effectuant des interactions sur le panneau des commandes. Ah d'accord. Ok, bon bah vu qu'on n'a pas très faim, on va juste prendre des pop-corn. C'est parti pour les pop-corn. Elle est là ou elle est plus là? À chaque fois, je la perds. Ah, elle est là, la pauvre. Ok. Donc, en fait, c'est sur le panneau de commande. Et les caisses de matériel. Ok. En étant sur Batou, pas de problème. Eh ben, c'est parfait. Trop de gentillesse. Ah, oui, c'est les Vauriens. Ah, j'avais bien vu. Hein. Mais je comprends, il n'y a pas de souci, Mara. Bonne soirée à toi. Et puis, merci d'être passée, ça fait plaisir. Bisous à toi. Vous avez la bouffe en anglais? Ouais, je sais pas si c'était de l'anglais. C'était de l'anglais? Peut-être. Moi, tu sais, vu que c'était un nom que je comprenais pas, je sais pas si c'était de l'anglais, mais certainement. Hein.
Non, heureusement qu'on se travaille pas avec un ordinateur portable. Par contre, tu nettoies pas, hein, tu fais pas de vaisselle, toi. Non, tranquille. Ensuite, eh ben, le but va être... Ça y est, c'est bon, commander à manger. Et je l'ai fait, hein. J'ai pas commandé à manger, là. Commander à manger. Oh, la dernière fois, j'ai juste commandé un verre à boire, ça a validé, sérieusement. Le sabacc, c'est à la cantina, sur les tables. Je vais te montrer ça, puisqu'on va devoir le faire. C'est pas le bon endroit? Attendez. C'est à la station d'arrimage. Ben si, c'est ça la station. C'est pas la station d'arrimage, ça? Ah non, c'est pas la station d'arrimage, c'est là. Oh, non mais attendez. Ok. Merci. Merci, merci. Hey, Toto! Bienvenue à toi, Ced. Du coup, bah, j'ai pas revu. Elle est encore en train de bouffer ses pop-corns? Encore? Mais laisse tomber les pop-corns, on va manger autre chose. Bah, c'est bien, elle qui avait pas faim, elle va vraiment plus avoir faim. Non, ils s'assoient pas, mais ils sont sportifs sur Batou. Pour le moment, oui, j'aime bien le pack. Pourtant, j'étais pas du tout pour. Mais j'aime bien et ça me plaît beaucoup. Bah du coup, on va commander de l'eau. Ça va compter ou pas? Dis-moi que ça compte. Juste de l'eau. Comme je dis à chaque fois, en fait, ce que j'attends de voir, c'est au niveau des missions. Et justement, là, pour le moment, je suis partie dans le premier ordre sur les vidéos de YouTube. Et là, en live, je voulais aller voir les Vauriens pour vraiment voir est-ce qu'il y a une différence. Est-ce qu'ils ont fait des différences entre les trois clans? Ou est-ce qu'on va se retrouver avec les mêmes missions? Si franchement, il y a des différences, si les missions sont variées, franchement, il vaut le coup. Et l'environnement, il est super sympa. Et puis le côté pas s'occuper des besoins, en fait, c'est tout autre, c'est vraiment autre chose. Mais jouer avec sa famille, si t'as l'habitude de jouer avec une famille et te retrouver à partir sur Batuu, ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Faut vraiment faire un Sims à part. On a des petits trucs, on va essayer de quand même récupérer des petits machins. Je sais pas si ça va nous aider. On va fouiller le petit tas. Arrête de boire parce qu'après, tu vas avoir envie d'aller faire pipi. On va se renseigner donc. Ça, c'est la mission basique. Sur la résistance, le premier ordre et les Vauriens. Ok, bah on va commencer, hein. Se renseigner. Ah oui, bah forcément, quand je lui demande. Maintenant, c'est un truc de ouf, hein. À chaque fois que je demande à quelqu'un quelque chose, il se casse. Il va se casser? Si tu te casses, tu te fous de moi. Non, il se casse pas. Yes, par contre, elle ne vient pas. Allez, bouge, viens. Allez, 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 allez. Cali, bonsoir. T'as rien raté, on vient juste d'arriver. Sandra et ma petite Simette qui va devenir une vaurienne. Elle vient d'arriver à Batuu, on est en train de lancer les premières missions et on va rentrer dans le vif du sujet bien après. On va se renseigner ensuite sur la résistance avec cette personne et si elle ne bouge pas, on va essayer de se renseigner aussi sur le premier ordre et sur les vauriens. Bien sûr, elle fait partie des vauriens, donc ça va être une future copine à moi. Moi aussi, j'aime bien. Ah bah, comme quoi. Après, il y en avait plein qui étaient à fond dedans, hein, déjà dès le départ. Attendez, parce que j'essaye de faire des trucs, mais elle veut pas les faire. Non, tu payes pas, par contre. Tu payes pas du tout pour y aller. Donc, c'est pas vraiment des vacances. Je pense qu'ils l'ont mis là, effectivement, pour... parce qu'ils savaient pas où le mettre. C'est bon, ça y est, on s'est renseigné. Attendez, 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 bougez pas. Attendez, parce que j'essaye d'avancer un petit peu. Je sais pas si j'ai fait deux fois la même. On peut étrangler les gens par la force. Bah, écoute, si on peut, j'en suis pas arrivée à ça, mais... T'es horrible quand même, hein? Moi, c'est vraiment pas un pack qui m'attire, je ne pense pas le prendre. Mais vous voir jouer, j'adore. Bah écoute, si ton plaisir il est là, moi j'ai envie de dire, fais-toi plaisir comme t'as envie de te faire plaisir. Attendez, ça y est, j'ai fini? Ah, j'ai tout fini? Ma mission est validée? Si vous voulez gagner des crédits, allez voir Hondo à la cantina. Il a des opportunités d'affaires légitimes qui pourraient vous intéresser. J'ai vu quelques inconnus dans la forêt, alors ça, bien sûr, bah, on sait qui c'est, hein. Ils sont peut-être dangereux, alors faites attention.
Le premier ordre a pris le contrôle d'une partie de l'avant-poste de la Flèche Noire. Vous trouverez le lieutenant Agnon là-bas. Mission terminée. Ok. Et maintenant, je peux obtenir de nouvelles missions auprès des Sims ayant un icône de faction au-dessus de leur tête. Et bah, c'est ce qu'on va faire parce qu'en fait, on va aller voir Hondo, c'est ça ? Et forcément, très facile, on le trouve toujours à la cantina qui se trouve ici. Cantina qui est en fait la boîte de nuit. Et la cantine peut-être. Alors, par contre, le plus gros souci, c'est le divertissement. Hein. Quand on a envie de divertir un Sims, d'ailleurs, elle doit être en manque de divertissement, comme par hasard. Et bah, hormis danser, bah c'est très compliqué. Dites-moi qu'il est là. Oui, il est là. Hondo Onaka, chef des Vauriens. On va se renseigner sur les Vauriens. Forcément, il va me dire que tout est bien. Ça fait aussi plaisir à mon portefeuille. Ça, je l'ai déjà entendu. Oui, il y en a plein qui disent ça. Mais c'est vrai. En même temps, faut prendre le côté positif. Des Vauriens, nous sommes des pirates et nous ne savons même pas ce que cela signifie. Demandez à voir l'émission et je vous montrerai volontiers mes opportunités d'affaires légitimes. Ok, eh bien, écoutez, on va discuter juste un tout petit peu avec lui, illuminer sa journée et peut-être qu'en même temps, je vais lui demander à voir l'émission pour voir ce qu'il me demande et ce qu'il me propose. Sachant qu'il faut que je demande à boire. Ok, ben, je vais commander à boire, hein, une boisson, comme si j'avais pas envie... de faire pipi déjà. Est-ce qu'un petit verre d'eau, ça peut compter ? Alors, bonjour Hondo, que vois-je ? Un tout nouveau visage, envie de me rejoindre pour une partie de sa bac, carrément, ouais, si tu veux. C'est vraiment le seul bon moyen de connaître quelqu'un. Qu'avez-vous à perdre ? Ben, un petit peu d'argent, certainement, parce que j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Vous pourriez vous faire un nouvel ami, dans tous les cas, cela vous permettra d'admirer mon physique avantageux un petit moment. Ouais, avantageux, je sais pas, franchement, est-il vraiment avantageux ? Pas sûr. Mais, s'il veut jouer, eh ben, on va jouer. Peut-être qu'avant, je vais boire mon coup, quand même. J'ai le charisme. Waouh. Vive la piraterie. Moi, j'ai le pack et je regarde Angie et Cassie jouer. Ben, c'est bien. C'est quoi le but d'être vaurien ? Bonsoir, Shania. Le but d'être vaurien, alors ce que j'ai compris, c'est des trafiquants qui sont en fait assez neutres. En fait, ils veulent se faire de la thune et on va dire qu'ils font un peu ami-ami avec les gentils et les méchants. Ils veulent pas se mouiller. Zouzouilleuse, bonsoir. Léopold, bonsoir. Bah, moi, je suis bloquée. Pendant 2 heures, j'ai essayé juste qu'il y a un truc qui me bloque et je suis dans la résistance. Ah mince. Bah, s'il y a un truc qui te bloque, j'espère que c'est pas un bug. Après, si c'est parce que c'est compliqué, c'est bien. Ne jamais dire, ça va faire du bien à mon portefeuille trop vite. Angie a le pouvoir de vous faire changer d'avis. Non, 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 moi je fais changer d'avis à personne. Par contre, je donne mon avis en tant que personne. Voilà, je sais que moi personnellement, si j'avais pas été game changer, je l'aurais pas pris tout de suite. Mais là, en le découvrant, j'ai une belle surprise. Alors j'ai envie de vous dire... Voilà, si vous êtes dans le même avis que moi, vous étiez pas chaude, peut-être que ça pourrait vous plaire, on sait jamais. J'aime pas Star Wars, je suis pas quelqu'un qui est de cet univers-là, mais franchement, ça me fait super plaisir d'y jouer. Après, justement, vous voyez si ça peut aller assez loin, s'il y a du gameplay, ça dépend aussi de ce que vous aimez. Si vous êtes de la construction, je vous dirais que moi, franchement, la construction, ça m'intéresse pas trop, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mais on sait jamais. Bon, en attendant, on a assez bu. On va faire notre partie de sabac. Donc du coup, le sabac, on peut se mettre là. Alors, je sais pas si on peut se mettre sur toutes les tables. Non. Donc ouais, moi j'ai trouvé cette table-là et on va jouer avec Hondo. Hein. Et c'est parti. Non, t'as rien loupé. On arrive tout juste. Là, c'est par contre, on commence à entamer les premières missions de Vauriens. Mais j'étais déjà partie dans l'idée de faire les Vauriens. Les deux missions que je viens de faire, c'est les missions qu'on a du départ pour découvrir la planète. Et maintenant, on va jouer au sabac. Oui, c'est vrai, il va y avoir un tirage au sort bientôt qui va arriver sur YouTube. N'hésitez pas à checker ça, ça va bientôt arriver. Il faut que je vous prépare la petite vidéo. Et il y aura un... Oh merde. Un code à gagner. J'ai failli dire autre chose. À quand les Sims Harry Potter ? Eh ben ça, écoute, je ne sais pas. Et franchement...
je suis désolée, mais je crois qu'il n'y en aura pas. Hein. Parce que vu qu'on a monde magique, en fait, un petit peu, donc bon. Heureusement, on doit faire 5 manches de sa bague parce que j'ai pas l'impression qu'elle est en train de gagner. Oh là, elle me fait peur, c'est quoi ses yeux? Pourquoi elle a un œil qui devient très très vert, bizarre? Allez, concentre-toi, ma chérie, tu peux peut-être gagner une petite partie. On sait jamais. Faites qu'on gagne. Je crois que ça a l'air d'être un bug, car je dois prendre quelque chose dans un quartier et dois aller dans un autre quartier pour pouvoir finir ma mission, juste que l'objet disparaît de mon inventaire. Ah mince. Ah puis alors moi je pourrais pas t'aider parce que du coup je fais pas du tout le même monde. Mais vois, faut que tu suives ceux qui font des let's play dessus. Après on va essayer d'aller un petit peu dans la résistance, donc on va voir. Peut-être qu'on tombera sur la même mission. Moi pour le moment j'ai pas eu ce genre de bug. Pas de soucis à l'horizon pour le moment. Avec ce pack, je pense que c'est super de le faire une fois. Bah ça, c'est un peu le problème comme Strangerville. C'est vrai que t'as tendance à... Tu peux pas le réutiliser, quoi. Mais si les 3 clans sont différents et qu'il y a une jouabilité de plusieurs heures avant d'arriver, ça fait quand même pas mal de gameplay. Les tenues, elles sont utilisables quand même un petit peu. Après, ouais, c'est pas fun pour des parties normales. Ah ouais, il y a déjà un monde magique, ouais, c'est ce que je disais. Pas la peine de chercher à faire, à changer d'avis. Il suffit de faire ce que tu fais, nous faire découvrir tout ça, c'est plus une bonne surprise. C'est plutôt une bonne surprise. Eh ben écoute, si c'est une bonne surprise, après c'est à vous de vous faire votre avis, mais c'est clair que c'est pas un indispensable. Hein. Moi j'aime beaucoup. On a tous compris, Angie, ce que tu voulais dire. Oui, j'ai fait. Mais c'est pas que j'ai failli faire un lapsus, hein, c'est que j'ai mal prononcé, attention. Hein. Bah, le code pour Star Wars. Bah, attends, Ced, t'avais pas compris? Je vais pas faire gagner Tricot. Je vais attirer personne avec Tricot. Bah, ouais. Oh, je suis en train de perdre tout mon argent, là. Elle s'arrête à un moment donné. J'ai fait qu'une manche. Il est en train de me ruiner. Il a intérêt à me donner des missions qui vont rapporter de la thune, hein, moi, je vous le dis. Hein. On est mal. Ok. Je viens de perdre quand même 100, presque. Hein. Oui, je sais, t'es triste. Hein, bah, moi aussi. Hein. Bonsoir, Aiden. Comment ça va? Ah, par contre, je vous ai mis une musique en fond sonore. Si vous préférez qu'on l'enlève, on l'enlève. Par contre, je veux pas mettre... Enfin, de toute manière, je l'ai même pas mis, moi, pour jouer. J'ai encore jamais entendu la bonne son... Enfin, la bande-son du jeu. Parce que je crois qu'il y a des musiques qui passent pas. Merci pour ton follow, Shania. Bienvenue à toi. Moi, je pense que le mieux, c'est de rentrer sur le terrain de vie de temps en temps pour jouer sur Batou tout le temps. Oui. Oui, après, tu peux faire ça. Mais ça dépend de la vie que tu mènes après à la maison. Parce que bon... Enfin, pour le moment, moi, j'en suis qu'à 2 heures de jeu. Et je suis niveau 3. Ah oui, parce que... Du coup, voilà, on a les clans. Et ensuite, nos niveaux vont augmenter d'un clan à un autre. Mission terminée. Ben, on va peut-être s'arrêter. Oh, j'ai gagné ! Ouais ! Bien joué, mon ami. Je vous ai un peu laissé gagner. T'es un amour. Vous savez, je pourrais avoir besoin de votre aide pour gagner des crédits. Bien sûr, vous obtiendrez votre part. Et donc là, ma réputation chez les Vauriens vient d'augmenter un petit peu. La différence... Hey, calme-toi, elle est repartie pour jouer. Pff, il va pas te laisser gagner, là. Hein. Tu le sais. La réputation donc, du premier ordre, quand elle augmente, automatiquement a fait baisser la résistance et vice-versa. Par contre, les Vauriens, c'est complètement neutre. On peut avoir une réputation chez les Vauriens et en même temps développer une réputation dans un des autres, deux autres camps. C'est ça qui est sympa, c'est que du coup, les Vauriens, j'avais un petit peu peur, mais en pouvant jouer sur 2 clans, ça donne encore plus de missions et vraiment un côté qui dure, quoi. Non, j'avais pas compris. Je fais semblant d'être intelligent. Je te crois pas du tout. Comment je te crois pas?
Bah, je t'avoue que je sais pas trop quoi taper, et la plupart des choses, c'est le nouveau pack Star Wars est sorti. Ah oui, tu parles à quelqu'un d'autre, excusez-moi, je suis pas. Je t'en prie, Shania, et merci à toi plutôt. Les musiques sont super, vous rentrez dans un autre univers. Bah ouais, c'est pour ça, mais moi je les ai même pas entendues, vous vous rendrez compte? J'ai même pas entendu parce que bah, j'ai pas joué personnellement, j'ai joué que pour mes vidéos. On peut s'arrêter là ou on perd totalement tout? Attends, j'en suis où là? Faire 5 manches. Oui, c'est bon. Alors ça, c'est bon. Et ben, on va lui demander une mission, hein, j'ai envie de dire. Parce que du coup, on n'en a pas. Demandez à voir les missions. Dis-moi tout. Voilà, l'une des meilleures joueuses du sabacc, de sabacc, contre qui j'ai eu le plaisir de perdre. J'ai une petite faveur à vous demander, mon ami. Un de mes collègues, donc c'était prévu qu'il perde, c'est ça qui est horrible. Un de mes collègues a un colis pour moi, mais il a dû quitter la ville pour affaires avant que je ne puisse passer le prendre. Je ne veux pas le récupérer sans contourner son système de sécurité de façon créative. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas d'entrer dans la maison d'un inconnu, c'est un vieil ami. Allez voir Doc Ondar et il vous donnera un récupérateur de données. Utilisez-le pour franchir la porte de mon ami et me rapporter son colis. Enfin, je veux dire mon colis, d'accord? Formidable. Ok. En gros, tu me demandes d'aller voler un truc chez quelqu'un. Super. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il va vraiment falloir que tu me réexpliques tout parce que. Donc, obtenir un récupère. Demander à des gens sur Batuu s'ils connaissent les moyens d'obtenir un. Comment j'ai fait pour obtenir un récupérateur? Je sais pas, mais déjà, elle a très envie de faire pipi. Et bien sûr, il n'y a pas de pipi ici. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Non, il n'y a pas de toilette. Bon, alors, il n'y a pas de toilette, ma chérie. Donc, il faut qu'on retourne à la demeure. Demeure qui se trouve ici. Oh, je commence à m'y faire, se rafraîchir. C'est parti. Ensuite, je sais pas du tout comment je vais avoir, comment je vais pouvoir me procurer le truc. Non, non, vas-y en courant, sinon on n'est pas arrivé, hein. Oh là là. Allez, on croit en toi. Tu n'as pas remarqué pendant dans le live de Kelsey, elle s'est réveillée devant pourtant. Elle s'est réveillée devant quoi? Est-ce que peut-être ton Sims n'a pas encore le niveau de compétence programmation bricolage suffisant pour effectuer ta mission? Ah, tu penses? C'est à moi que vous parlez ou... Ah, elle fait pipi, c'est bon. Faut aller à la boutique. Ah bon? À la boutique, tu peux trouver? Attendez, c'est quoi que je cherche déjà? Un récupérateur. Oui, c'est ça, un récupérateur de données. Oui, récupérateur de données. Il y a une boutique. Alors attends, ben, moi je sais même pas où est-ce qu'il y a une boutique. Qu'est-ce qu'ils me disent? Demander à des gens sur Batuu s'ils connaissent un moyen d'obtenir un récupérateur. Ok. Et il doit y avoir une boutique quelque part. C'est ça la boutique? Non. Faire des achats à l'atelier de sabre. C'est ça? C'est celle-ci la boutique? Il faut que tu parles à d'autres Sims. Au DJ de la cantine, il faut fouiller des déchets aussi. Il y a des choses qu'il faut acheter. Ok. Ketsi, toujours. Mais c'est pas possible, hein, tu connais tout. Devant les musiques. Devant les musiques? Mais de quoi vous parlez? Ah, elle s'est émerveillée devant les musiques. Ah, elle les a mis. Ah ouais, putain. Merde. Moi, je les ai pas mis. Mais non, on va trouver quelque chose, Zouilleuse. Ça va être faisable. Attendez, Bassim, c'est sorti. Faire des. J'ai même pas été voir ce qu'on pouvait acheter là-dedans. Viens ici. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle est en train de faire quoi? Mais non, non, non. Attends, reviens. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle a fait des achats. J'espère qu'elle a rien acheté sans. Voilà, ok. Poignée sabre. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas des poignées, poignées, poignées. Vitrine, vitrine, vitrine. Vitrine? Bah non. Ok. Bah c'est pas ici en tout cas. Hormis avoir un sabre laser. Pour le moment, c'est pas ça. C'était juste une idée comme ça, j'ai pas le pack.
porte, ok. Tu me dis, quand tu me diras tout aussi en même temps. Attendez, il y a quelqu'un à côté de moi? Non, il n'y a personne. Je voudrais voir quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour madame. Ou monsieur. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, je l'ai mis kleptomane. Sans renseigner sur les récupérateurs de données. Voilà, tout simplement. Allons se renseigner sur les récupérateurs de données. C'était si bête. Poignée, piano. Tu le savais que je le dirais pas. Tu l'as fait exprès. Vous voulez me tester? C'est pas gentil quand même. Mais non, mais moi j'ai pas besoin d'un sabre laser, j'ai besoin d'un récupérateur de données. Attends. J'ai entendu dire que Doc Ondar avait des récupérateurs de données. Vous trouverez sa boutique à l'avant-poste de la Flèche Noire. Si vous arrivez à vous en procurer un, il vous sera très utile. Si, bah c'est bien une histoire de boutique. Ce qui m'énerve, par contre, alors c'est ça. C'est sa vie ici. C'est, les noms, ils sont pas marqués. Ouais, aussi, ils sont marqués, mais en fait, je comprends pas les noms, moi. Hein? Je suis bien à la Flèche Noire, là. Oui, je suis à la Flèche Noire. Station d'arrimage. Ronto. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'il s'appelle. La demeure. Non, mais c'est qui, Dark machin bidule, là? Vous trouverez sa boutique à l'avant-poste de la Flèche Noire. Bah, je crois que c'est ça, alors. Hein. Parce que là, je crois que j'ai fait le tour de la map, en fait. Ça, c'est très, très chiant, parce qu'on voit pas du tout où sont les bâtiments. Et bah, ça, c'est pas un bâtiment. Donc, le seul qui me reste, en fait, bah, c'est bien là où j'ai été. Ah non, elle est là! Tout se ressemble aussi. Mais c'est de là où je viens. Ah non, c'était pas la même. Je suis trop bête. Tiff, hein. Je suis de passage pour un petit coucou, trop fatiguée pour regarder le live. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Des bisous. Garde ton calme. Je vais essayer. Attendez, mais je vais essayer. Mais regarde, tellement je garde mon calme, je mets en pause. Ça, pour le coup, je suis vachement calme. Hein. Très, très calme. T'es où? Allez, cours, petitote. Quoi? De quoi tu m'accuses? Un petit peu, oui. Je te mettrai pas devant tes abonnés dans une mauvaise posture. Bah pourtant, un petit peu, hein, c'est ce que t'as fait. Poignée. Non, pas de poignée, c'est pas de poignée. Oh, Jessie! C'est abonné. Deuxième mois d'abonnement. Coucou à tous, coucou à toi, Jessie! Merci pour tout, Jessie, récupérateur de données. On est un vaurien, Jessie! Quelle entrée, c'est clair! Ça, c'est tout, Jessie. Bon, bah écoutez, on en a trouvé un, les récupérateurs de données peuvent être utilisés pour pirater des panneaux de commande et des holotables. Je ne sais pas si c'est comme ça, je crois que c'est comme ça, sur Batuu. Cela peut vous permettre d'obtenir des informations sensibles ou même des crédits galactiques. Eh bah écoute, il nous en faut. On est d'accord, récupérez le colis pour Hondo. Allez dans le quartier du premier ordre en utilisant votre téléphone. Lorsque vous arriverez, il y aura un panneau de commande sur le mur devant vous. Ah, devant nous directement, t'es sûr? On arrive forcément devant le panneau? Pourquoi pas? Allons-y! En espérant qu'on arrive bien juste devant. Oh, l'accueil à Jessie! Ok, juste devant nous. Ah, yes, effectivement. Et on doit faire quoi? Pirater. Analyser et pirater. Ah. Analysons. On va éviter de faire des bêtises. Emilou, bienvenue à toi. Ce que j'aime bien... Bon, là, ça va, il n'y a personne. Mais c'est qu'il y a des fois, on fait des trucs et on veut être tranquille, il y a tout le monde qui nous regarde, mais ça dérange personne. Non, là, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Il n'y a personne. Genalova, bienvenue. Oh. Citoyen. Un citoyen qui ne dit rien, tout va bien.
J'ai acquis la programmation. Ah bah dis donc, on a du boulot alors. Ok, du coup quoi ? Le système de surveillance du premier ordre détecté et supprimé. Continuez à analyser ce panneau pour trouver le meilleur moyen de le pirater. Ok, bon, bah on analyse. Analysons ! On va bien, et toi ? Coucou, coucou, coucou ! On va pirater, on vit... Attends, on pirate, mais tranquille. D'abord, on est posé, on analyse. Chaque chose en son temps. D'abord, on tâte le terrain, et ensuite... On fonce dedans. Ok. C'est bon? T'avances? Allez, pépette. Alors, faut pas brouiller les clés. Faut réécrire le code. Ok, on réécrit le code. Oh, regardez cette tête. Allez, vas-y. C'est bon, personne te voit. En plus, moi d'ailleurs, j'en ai vu plein aujourd'hui faire ça et personne leur dit rien. Si je me fais arrêter, je comprends rien. Oh, non! Ah non! Non, non, tu vois rien. Ouh, regarde, je suis là. Ouh, coucou. Non, laisse-moi tranquille. Mais non, vous inquiétez pas. Oh, elle me demande mes papiers. Oh. On fonce dans le tas, baston. Ah. Je voudrais pas me faire arrêter tout de suite. T'inquiète. Oh, merde, elle m'a demandé de partir. Regardez le sourire qu'elle a. Oh non, elle est vénère. S'entraîner à pirater. C'est bon, on a ouvert ou pas? Récupérer le colis. Non, on n'a rien récupéré. Hein. J'ai pas de colis. J'ai un colis. Pistolet. Ah, j'ai un pistolet, d'accord. C'est ça le colis? Comment je peux savoir si je l'ai récupéré? Ah bah, faut que je franchir une porte. Pour le moment, j'ai rien franchi du tout. Hein. S'entraîner à pirater. On va s'entraîner. Mais non, je suis vraiment très très dégoûtée. Cet échec lamentable. Je suis pas venue pour ça, moi. Trop contente que tu fasses des live Twitch. Ah bah, je suis ravie si ça te plaît. D'ailleurs, j'espère que... Ceux qui peuvent pas d'habitude capter, captent à peu près bien. Je pense spécialement à Laura, j'espère que ça passe, que tout passe bien. Pour la prochaine action piratée, il faut de nouveau acheter un récupérateur. Mais je croyais que t'avais pas le pack, Yatsi, je comprends plus rien. Ou alors je me suis plantée, c'est pas toi qui as dit ça. Écoute, arrête ma fille, arrête, c'est bon, tu te fais griller là. Ah! C'était pas exactement ça que je voulais dire, mais ça tombe sous le sens. Hein. Effectivement, on s'est légèrement fait griller. Ma pauvre. T'inquiète. Système surchargé. C'est ma Sims qui est surchargée. Ok, il faut que je récupère un autre récupérateur de données. Est-ce qu'il n'y a pas une boutique? Du coup, il n'y a pas une boutique pour acheter ici? Non, il n'y a pas de boutique ici, je crois. Il faut que je retourne là-bas. Bon, bah, échec de la mission, hein. Ok, retour. Ouais, retour, bah oui, parce qu'ici on peut rien faire. Oh non, je suis trop. J'ai pas la fibre, mais pour me consoler, je peux regarder ce soir. Ah ! En 160 et même en 320 ! Yes ! En 320, ça doit être mieux que 160 quand même. Hein. Pas de bug pour ma part, trop bien ! Ça fait plaisir. Non, c'est ici, il faut aller. Ça fait plaisir. Non, effectivement, j'ai pas le pack, mais je passe mon temps à regarder. Mais non ! Ah ouais, toi, tu connais tous les trucs juste à regarder. Non, mais c'est trop fort. Bon, alors du coup, il faut que j'en reprenne un. Eh bah ouais. Écoutez, on va en reprendre un. On va aller manger. On va se remettre en pleine forme. Commençons par déjà faire des achats. Ça va me coûter cher, cette histoire. Je dois vous saouler avec cet emoji. Mais non, carrément pas, vas-y. Moi, ça me fait plaisir. Attends. Eh, lâchez-vous, hein. Moi, j'aime bien faire des emojis. On peut y aller. Bon, après, faut pas... Faut que je puisse vous lire quand même un peu. Elle pourrait monter sa compétence programmation, mais non, Angie se complique la vie. Bah si, j'ai essayé de la monter. Mais attendez, je veux avoir un peu de jeu quand même. On va pas passer notre vie juste sur un panneau. On en rachète un. Je comprends bien en fait pourquoi j'en ai gagné plusieurs. On en rachète trois alors. Hein, c'est ça qu'on fait. Hein. Ouais. Mais il est trop chou, c'est vrai. Ah, bah vas-y, alors profites-en. Moi, j'aime bien le voir, attends.
Et c'est Tony qui l'a fait. On dit bravo à Tony, hein, il y a passé du temps. Non, j'aime pas la complexité, c'est juste que je sais pas très très bien réfléchir des fois. Elle a faim et elle a envie de dormir. Allons dormir. On va dormir et ensuite on ira manger. Et finalement, du coup, je ne sais pas quelle est la différence entre ce restaurant, commander à manger à la station d'arrimage ou commander... Oui, c'est la même chose. Ben, on ira manger ça après. Enfin, pas le bâtiment. Hein. Ah, parler de triche. Ah, d'accord. Ah oui, non, moi, je triche pas. Coucou Nad, bonsoir à toi. Lélé a toujours raison. Ah bah écoute, si t'as toujours raison, alors ok. J'adhère. Bon, on va manger un... C'est vraiment... Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu en anglais hein, quand même. Hein. Moi, je voyais une langue très spéciale, mais non, oui. Écoutez, on va manger un truc le moins cher possible. Hein. Je sais pas si c'est super bon, mais on va faire avec. Chapeau, il est mimi. Ah, il va être content. Enfin, j'espère qu'il va être content. Je trouve qu'il s'en fout. Non, il s'en fout pas. Hein. Il est fier. Et après, on ira se rafraîchir. Comme ça, on sera en pleine forme pour vraiment aller tout défoncer. Je veux ce colis. Je veux devenir une vraie vaurien. Allez, bouge tes fesses. C'est pas intéressant ce que tu fais là. Elle a appris une nouvelle recette. On s'en fout, on n'est pas là pour faire à manger. On y va. Et ensuite, cassos. Ok, c'est parti. Vous avez vu ce petit fondu d'écran qu'ils nous ont fait? C'est trop mignon. Ah, ils font des efforts quand même. C'est bien. Alors, panneau de contrôle, juste en face de toi. Non, pas bon. Il est où mon panneau? Ah. Bonjour monsieur, comment vous dire que... Salut. Tu veux pas aller ailleurs s'il te plaît? Je sais pas, va quelque part. J'ai envie de lui lancer une pierre pour qu'il parte de l'autre côté. En plus c'est un copain. Ah, il y en a un deuxième. Mais non, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment chiant. Comment je fais moi? Mais non, mais ils popent tous là. Sérieusement, laissez-moi tranquille. Il fallait que je vienne la nuit, ça aurait été mieux. Hein. Je le tente. Analysez. Je vais me faire arrêter, c'est obligé. Regardez-moi ça, il squatte. Ah oui, t'inquiète, il n'y a personne qui t'a vu. Non, t'es totalement invisible. Totalement. Moi, au début, je vais pas me spoiler, je regarde que la bande-annonce, mais je finis par regarder tous les plays de Star Wars dans toutes les langues. Mais non! J'avoue, j'étais un peu comme ça. Le seul où, franchement, j'ai tenu et j'ai pas fait parce que je savais que sinon, il n'y avait plus aucun intérêt, c'était sur Strangerville. Celui-là, vraiment, je l'avais jamais regardé. Ok, on peut usurper un code d'accès. Vas-y. Ouais, c'est bon, il n'y a personne. Enfin, ça a l'air. Mais sinon, à chaque fois, j'ai toujours regardé. C'est juste un phénomène naturel dû au frottement qui permet de cuire la nourriture et de se réchauffer. Aucun rapport avec les blessures occasionnées. Oh là là, ça y est. J'ai pas suivi. Seb ! Ça n'a pas l'air de ramer, je reviens dans quelques minutes. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait « ouais, ok », mais « oui, ok ». Non, je vais pas me faire arrêter, regardez. J'ai réussi? Ou j'ai pas réussi? J'ai pas réussi encore? Mais non, j'ai pas réussi encore. Ouais, et fais quelque chose, hein. Franchir la porte. Oui, on peut franchir la porte. Tu vois, Jessie, on a réussi. Ok, elle est où la porte? Ah, d'accord, elle est rentrée dans la maison. Ça, il y a beaucoup de trucs comme ça, quand même. Mais, bon... Ça, ouais, si, il y a un petit manque quand même. On a envie d'aller à l'intérieur. Et c'est... Ça passe pour le moment. S'il y a vraiment des missions variées, moi, c'est vraiment le truc que je me demande. Enfin, que j'attends surtout. Et ensuite, on peut aller livrer notre colis. Donc, c'est parti. Allons-y. Par contre, c'est vrai que ça, c'est chiant.
de passer d'un quartier à un autre sans arrêt avec les écrans de chargement. Moi, je vais pas me plaindre. Non, c'est ici. Je vais pas me plaindre, ça va très vite. Mais pour ceux où ça rame un peu plus, ça peut être très très chiant. Je vous laisse tranquillou entre vous, mais je te regarde. Je t'en prie, Poppy, gros bisous à toi. Et puis bah si tu restes, bon live à toi, Poppy. Bisous. Mélie, bonsoir. Et sans tricher, carrément. Et sans tricher. Alors, tu es où, Ondo? Ah, il est toujours au même endroit. Allez, on va lui livrer le colis. C'est parti. Et donne-moi des sous-sous, hein. Bon, il va mal... Non, il veut pas... Bah, viens, toi. Allez, vas-y, tu peux y aller. N'aie pas peur. Il n'y a pas de manger. Enfin, normalement, il n'est pas censé te manger. C'est bon, elle arrive. Oh! Il boit un truc qui fume beaucoup. Ouais. Colis, yes! Rang 1, néophyte, au sein des Vauriens. On a gagné des crédits galactiques, un petit peu, j'ai pas vu combien. Et on peut arnaquer. Elle qui est kleptomane, ça va lui plaire. Et du coup, on peut acheter des objets. Ah, ils vendent des objets? D'accord. Arnaquer pour obtenir des crédits. Acheter du matériel. Ok, trop bien. Je sens une opportunité d'affaires légitime ici. Vraiment légitime. Ok. Bon, bah écoutez, c'est bien. On se relance directement dans une nouvelle émission. Demandez... J'avais pas vu les écrans de chargement en volet. Mais ouais, c'est beau, trop beau. J'ai 40 ans. Minouche, bonsoir. Oula, attendez, on a plein de... Plein. Les informations se vendent au meilleur prix pendant le conflit entre la Résistance et le Premier Ordre. Obtenez un maximum d'informations et vous en tirez beaucoup d'argent à coup sûr. Nous avons une cargaison de produits qui doit être déplacée rapidement. Je vous laisse volontiers diriger cette mission. Les affaires marchent bien, m'aiderez-vous pour un voyage d'affaires tout à fait légitime? Je prends laquelle? Vous votez pour quoi? Bon tuyau, belle opportunité, voyage d'affaires. 1, 2, 3. Dites-moi tout. Bonjour Minouche. Bonsoir Annet. Ouais, bien sûr que je reste. Encore, je trouve que tes écrans sont rapides. Mais oui, c'est ce que je disais, hein. Je joue sur PS4 et le temps des chargements est plus long que le temps du jeu. Oh, ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment pas cool. Yeah, trop forte. Ouah. C'est que pour une si petite map, on se serait bien passé. Ah, mais carrément. Mais carrément, c'est vrai que les écrans, là, on s'en passerait beaucoup même. J'ai pas vu 6PO d'en créer un robot, je suis deg. Quoi? Lol, je cherche des beaux emotes sur Twitch. Pas trop récit, je préfère le... Vas-y, Zouzouille, si ça te fait plaisir. 3, 3, 3, 2, 3. Oh, on dirait une chanson. 1 ou 2. Tu as des objets à gagner. Ah, 6PO, ah, c'est le robot, d'accord. Merci Tony, parce que Tony, il m'aide. Moi, je vote 3 vu Star Wars, c'est trop chouette. Yes! Alors, si on vote 3, c'est voyage d'affaires. Les affaires marchent bien. M'aideriez-vous pour un voyage d'affaires tout à fait légitime? Ok, on est d'accord. C'est préparé pour le voyage d'affaires, optionnel. C'est optionnel. Des objets comme un pistolet blaster, un droïde, un détonateur thermique ou une fausse pièce d'identité pourraient vous être utiles pour cette mission. Vous pouvez obtenir ces objets en achetant du matériel auprès d'Ondo ou à l'aide de l'holotable, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est, si vous avez une réputation suffisante avec cette faction. Je crois qu'on ne l'a pas. Justement, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est leur truc à eux, leur camp ou je ne sais pas quoi.
Je sais pas où on peut rentrer à l'intérieur. J'ai rien vu encore. À voir. Effectuer le voyage d'affaires. Cliquez sur le faucon pour faire le voyage. Bon, bah, ok, hein, c'est parti. Allons-y. C'est parti pour le faucon. Je vais me faire avoir parce que moi, j'ai rien. Hein, j'ai rien pris. Vous êtes prêts? Partir en voyage d'affaires. Attendez, attendez. Elle est là, elle part. Parce que forcément, on s'y attendait, hein. C'est comme le ballet. On voit pas grand-chose finalement. Attends, 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 attends. Je veux devoir rentrer. Tu rentres par où? Non. Ah oui, d'accord. Tu peux... Ouais, merci. Non, tu veux pas? Pourquoi j'arrive pas à la suivre? Ah bah oui, j'ai pas cliqué. Embarquement. Et là, normalement, il doit y avoir une musique de ouf, et nous, on l'a pas. Attention! Il est parti. Il est parti. Bonsoir, Linette. Coucou, Linette. Coucou, Draxi. Bonsoir à vous. C'est clair. Tu déranges personne, voyons. Quand je parle, c'est 90% de conneries, donc c'est bon. Mais oui. Ouais, mais moi, j'y connais rien. Les 6 PO, vous êtes mignons, vous. On le voit surtout dans la première trilogie. Ah ouais. Épisode 4, 5, 6. Oui, j'ai appris aussi que ça allait tout complètement dans le désordre. Forcément, c'est déjà que c'est compliqué. Mais alors. Mais alors, du coup, c'était encore plus compliqué. C'est mon anniv. Bon anniv, Draxi. Joyeux anniversaire à toi. Moi, j'y vais demain collège. Bisous, Kali. Bonne soirée. Ouais, Faucon Millenium. J'espère que cela ne te dérange pas que je vienne, mon ami. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, c'est juste que je ne peux pas manquer le plus amusant. Dit gaiement Hondo. Nous avons deux opportunités uniques de gagner des crédits. Tout d'abord, un de mes associés commerciaux de Kessel a besoin d'envoyer des épices sur... Ah, si c'est un mot connu, je suis désolée. Takodana. En toute discrétion, bien sûr. Le pire, c'est que je ne sais pas ce qui est connu ou pas connu. Et du coup, moi, je bug sur chaque mot, mais bon. Ensuite, Ogagara, oui, de la Cantina d'Oga, a fait l'honneur à Transport Onaka de lui demander de transporter son lichen doré à... non mais arrêtez avec les mots à Kuruskan. Quelle mission te tente le plus? Ah mais non! Je sais pas moi. Épice ou lichen? Mais vous allez devoir voter. Merci pour ton follow, Draxi. Et encore joyeux anniversaire à Draxi. Je vous laisse quelques minutes, je vais écouter. Ah bah, dis-leur qu'ils ont intérêt à se coucher, hein, c'est pas bien. Weka, bienvenue, merci à toi pour ton follow. Alors on fait quoi? Épices de Kessel ou lichen doré d'Olga? 10% pour dire que parfois je dis des choses sensées. Heureusement quand même, on dit pas que des conneries tout le temps. Ça serait compliqué après. Lichen! Bis, c'est quoi bis? Lichen. Ah, bis, c'est lichen aussi? Ok, on part sur du lichen. Épice. Ah. Les salles à voter pour épice. On est bon pour le lichen? 3 votes, 4 votes. Oh zut, ça frise. Ah bah oui, bah alors là, du coup, tu vas pas voter, toi. Oh bah zut, zut alors. C'est parti pour le lichen avec 2 votes. Peut-être Amy. Ah, 2 épices. Je passe juste pour un petit coucou, bonne soirée à tout le monde. Merci Weka. Merci, bonne soirée à toi aussi. Ah, il y a 3 épices. Bon, bah, on est parti pour les épices du coup. Angie, tu as signé pour un let's play et des lives. Tu vas en chier niveau prononciation, mais carrément. Non, mais à un moment donné, je vais bien les apprendre. Hein. Bambou. Isénaliste. Mais pourquoi un bambou? Ok. Ah, vous m'énervez. Mais, non, mais arrêtez. Lichen, lichen, épice, épice. Et vous savez quoi? Hop là! Le premier qui va... Ah!
je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait lichen. Sel. À table. J'arrive pas à lire, donc je vote blanc. Oh non, non, il y a trop de trucs. Oh là là, Chewbacca. Ah, Chewbacca. Hondo et Sandra se rendent dans la colonie de Surabat. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Ils atterrissent dans une grande clairière près d'un village de fermiers. Une femme bourrue les approche. C'est Oga qui nous envoie. Les caisses de lichen doré sont là-bas. Dites-moi si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à les charger dans votre vaisseau. Hondo hoche la tête et la remercie. C'est alors que Sandra s'aperçoit aperçoit une patrouille du premier ordre en approche. Un véhicule rempli de stormtroopers, avance vers eux avec, alors ça c'est pareil, je sais pas comment ça se prononce, le TIE échelon ou le TIE échelon au-dessus d'eux en renfort. Intéressant. Comment allons-nous procéder? Demande Hondo. Fuir et retourner au faucon ou ouvrir le feu? Ah carrément, ouvrir le feu. Qu'est-ce qu'il ferait Hondo? Il fait quoi Hondo? Il tire dessus ou il fuit comme un lâche? Bonsoir Cécile ou Miam. Ah Cassie, elle est partie, elle voulait pas se spoil. Ouvrir le feu. Ah, il ouvrirait le feu. Elle a quand même sorti trop trop peur. Mais shit. On dit pas lichen, du coup, au fait. Ah bon? On dit lichen? Je sais pas ce que j'ai dit. Tire dessus. Ok. On tire dessus. Il se planque. Non, on tire dessus, c'est vrai. Moi, je le sens, on tire. Bah oui, voyons. C'est un voyou. Il tire. Hondo, c'est chez Marmour dans SWAT. Il ouvre le feu. Ah, d'accord. Ok. Oh, les références que j'ai pas, moi. Voler haut ou voler bas? En même temps, apparemment, j'ai pas le choix. Je peux que voler haut. Sandra sort son blaster et commence à tirer sur les Stormtroopers. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? Du premier ordre. Chewbacca, je le dis bien ça. Tire à couvert pendant qu'Hondo charge la dernière caisse. Le petit équipage monte à bord du faucon et décolle. Les soldats au sol ouvrent le feu sur le faucon, mais les boucliers déflecteurs tiennent bon. Alors que le faucon s'éloigne, le petit échelon le poursuit. C'est nul, pourquoi moi je peux pas voler bas? Nécessite la compétence fuséologie. Ah bah oui, mais forcément, je me suis pas entraînée à ce niveau-là, les gars. Hein. Bon, on va voler où, alors? Je sais pas si vous êtes moqués de moi. Non, on dit lichen. Mais c'est pas grave. Ah. Eh, si vous commencez à m'embrouiller, après, moi, je sais plus. Hein. Oui, ça va bien, Seb. J'espère que toi aussi, ça y est, tu captes. Le Faucon Millenium s'envole au-dessus de la colonie de Surabat pour fuir l'attaque du Premier Ordre. Sandra fait de son mieux pour éviter le déferlement de tirs laser. L'équipage va devoir se débarrasser rapidement du échelon et il ne quitte et où il ne quittera jamais Batuu. Bah tirer, hein, si j'ai bien compris. Tirer sur les formations de flèches ou tirer sur le machin. Oh mais c'est compliqué vos choix, hein. Bon bah on tire sur. C'est quoi les formations de flèches? Ah, c'est un truc que je connais pas ça. Allez, on tire sur l'échelon. Chut, Poppy. C'est l'acteur qui joue Morgan dans Esprit criminel. Ah. Ah. Ah bah maintenant tu me parles mieux, voilà. Écoute, Chewbacca va au canot principal et tire sur le petit échelon. Ah, j'en ai marre de dire ti, ça fait con. C'est pas beau ti. Sur l'échelon. L'imposant vaisseau évite les premiers tirs, mais un laser touche son aile. Oh mince, ça y est, je suis perdue. Échelon commence à fumer et atterrit en urgence. Ah non, on va bien! Le faucon remonte rapidement et quitte l'atmosphère de Batuu. Ah. Allez à Coruscant. Coruscant? Coruscant. Ça c'est pareil, je sais pas si c'est connu comme mot, mais désolé. C'est pas grave hein, en fait. Hein. C'est comme si je parlais anglais, c'est pas plus pire. Vous comprenez? En fait, c'est vraiment pas plus pire que si je parlais anglais. Donc tout va bien. Non, j'ai pas changé de faction pour les Vauriens. Attention, ça n'a rien à voir avec le let's play que je fais sur YouTube. C'est un autre personnage, c'est une autre histoire. On n'est pas du tout dans la même partie.
c'est deux parties différentes. Mais comme ça, je teste les deux côtés. Ouais, je crois que le plouf-plouf, je vais vite y arriver. Hein. Par contre, voilà, c'est le côté où là, c'est la première fois, ça ne me dérange pas. Mais c'est tout à fait le genre de truc que j'aime moins, tu vois. Ça me fait très penser à, bah, justement à la fuséologie. Et tous ces trucs comme ça, je ne suis pas fan. Mais là, pour la première, ça va, c'est marrant. Mais si c'est tout le temps comme ça, ça peut vite devenir moins intéressant. Le petit équipage du Faucon Millenium passe en vitesse lumière et se dirige vers Kourou. Allez, Pan, Kourou, c'est mieux. Toute la planète est une ville gigantesque. Notre contact nous rejoint au niveau 5127, dit Hondo. Le Faucon atterrit sur une plateforme ouverte. Hondo, Chewbacca et Sandra descendent du vaisseau et rejoignent leur contact. Pintou, mon ami, nous avons apporté le lichen. Passons au paiement afin que nous puissions repartir, déclare Hondo. Tu as mis trop de temps. Je ne paierai que la moitié, ronchonne Pintou. Oh l'enfoiré ! Oh, je sais que si je demande plus, je vais me faire arnaquer. Ah, je fais quoi ? Je sais jamais. On est une vaurien ou pas ? Bon, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps. Elle est omnisciente. Je sais même pas ce que ça veut dire, omnisciente. Ah. Oui, ça va être lassant. Surtout si cela reprend la même chose. Ouais, ouais, carrément. Ah, c'est tout savoir, d'accord. Okay. Merci, Tony. Tony est mon dictionnaire ambulant. Demande plus. Mais Linette, je te croyais pas comme ça. Toi, tu demanderais plus. Ah ouais, et t'as raison en même temps. Vaut rien un jour, vaut rien toujours. Hein. Tu as raison. Ce qui me gonfle le plus dans ce concept, on va faire un choix et un vrai bouquin. Ouais. Ouais, c'est clair. On va demander plus alors. Hein. Eh ben ouais. Mais oui, Angie, tu gères, je t'avais prévenu que c'était plus facile à lire dans sa tête qu'à dire. Mais ouais, je sais. Restez en dehors de ça, voici l'argent. Restez en dehors de ça, voici l'argent. Ne tirez pas trop sur la corde tant que vous pouvez encore repartir d'ici sur vos deux pieds, Crippintou. Hondo marmonne quelques injures dans sa barbe et le groupe retourne dans le faucon pour se mettre en route vers Batou. Retournez à Batou. Mais alors en gros... Ouf. Le truc qui nous a fait « Oh, il est beau !» En gros, on n'a pas vraiment gagné plus, je crois. Hein. Il nous a dit non. Hein. Alors, j'en pense quoi du pack ? Moi, pour le moment, j'adore. Et je le redis, à la base, je ne suis pas du tout une fan. Je ne connais rien à Star Wars. J'étais pas pour. Je voulais pas le mélange des Sims, machin. Mais pour le moment, franchement, j'adore. Par contre, voilà, le truc que je craignais, là, les missions avec les vaisseaux, j'aime pas le truc des fenêtres qui pop, mais c'est la première fois que j'en ai. Donc, on va voir sur la durée. Discuter du voyage d'affaires avec Hondo. Hondo, t'es où ? Hondo, t'es toujours à la maison, à la cantina. Entrez dans la cantina. L'animation est trop classe. Ouh. Ouais, il fait pilier de barre, tu m'étonnes. Mais je crois que je l'ai pas vu ailleurs. Hein. Eh, regardez. Mais au moins, c'est bien, on sait où le trouver. Hein. D'ailleurs, on va faire juste un petit peu connaissance et ensuite, on va discuter de notre voyage. Discuter du résultat du voyage d'affaires. Ok. On aurait peut-être eu du matériel, mais en fait, ça nous aurait juste rajouté un choix en plus qui nous aurait apporté un dilemme de plus. Mais sinon, sans matériel, on s'en est sorti. Hein. Après, c'est qu'une question de choix, donc... vaut mieux savoir où il est. Hein. C'est mieux que de courir partout et de le chercher en même temps. Il est réticent à s'engager. Oh, dommage, j'avais vraiment très envie de te demander en mariage, si tu savais. Franchement... Bravo, de l'excellent travail, mon ami.
Vous ne m'avez pas encore déçue. Bah écoute, je suis ravie. Récompense bonus. Ah, j'ai gagné un truc. Je sais pas quoi. J'ai de la ferraille, ça j'avais déjà. Est-ce que c'est un cristal, peut-être? Et j'ai quoi là? Un pistolet. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on l'utilise, mais... Ah bah si. Ah ouais, en gros, ça se trouve, on va l'utiliser quand on est dans le vaisseau, mais on le voit pas, quoi. Je pense pas qu'on les utilise visuellement. Je sais pas du tout. Tant qu'on est là, on va en profiter pour manger un petit peu. C'est quoi ça? À se renseigner, d'accord. Arnaquer pour obtenir des crédits. Moi, j'ai quand même envie d'essayer. On va voir ce que ça donne. On sait jamais. Bon, j'aurais peut-être me fait de le faire sur quelqu'un d'autre. Non, elle m'a envoyé bouler. J'ai essayé, hein. Bah, du coup, je vais commander à manger. Elle va cracher dans ma bouffe. C'est obligé. Oh non, il est tellement beau gosse, déçu. Oh bah écoute, je te laisse ma place alors. Hein. Apparemment, il est réticent, hein, il veut pas. Hein. Ah, toi aussi, t'es pas fan des fenêtres, hein, mais tu m'étonnes. Le voyage Faucon me rappelle étrangement celui en fusée. Ouais. Et ça date de 2015. Carrément. Oui, c'est pour ça. Après, ça dépend. S'il y a vraiment que ça, mais qu'à côté, t'as d'autres trucs. C'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer tout de suite, tout de suite. Moi, pour le moment, c'est la première fois et j'ai quand même joué 2 heures. Donc, il y a d'autres choses à faire. Donc, pour le moment, je suis dans le positif. On va voir la suite. Et s'il y a encore un autre clan en plus. Hein, donc, Merci, Jessie. J'adore ce pack et j'aime encore plus Angie dans Star Wars, dans les Sims. Merci pour les bits, Jessie. Bisous. Messioko, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Voilà, dans la jungle, il n'y a que ça. Et ça, c'est vraiment le côté qui m'a dégoûté dans la jungle. Pour le coup, la map, elle est pareil, elle est super belle. On ne peut pas y habiter. J'y suis partie juste pour faire en live, découvrir... je ne sais plus dans quoi je l'ai fait. Bah si, dans Petite Fermière, je crois. J'y suis jamais allée à un autre moment, ça m'intéresse pas plus. Et pourtant, la map est très belle, mais je trouve qu'on peut rien y faire. Pour le même limite, je dirais que ça m'intéresse plus Star Wars que la jungle, du coup. Alors que moi, personnellement, j'aurais préféré... Enfin, je suis plus fervente de la jungle que de Star Wars. Mais voilà. On verra la suite. Allez, danse un petit peu, s'il te plaît. En même temps, discute. Demander à voir l'émission, discuter d'une entreprise d'expédition légitime. Oui, on va discuter. Voilà, on fait copain-copain. On va se renseigner sur le premier ordre, si jamais il veut bien. Et... demander s'il sait où sont les crédits disparus. Oula. Je sais pas ce qu'il va me dire. Si vous cherchez le premier ordre, essayez d'aller... Non, je le cherche pas, ça m'intéresse pas. Il danse avec moi! Mais il est trop mignon. Oh là là, regardez-moi ça, on est à fond dedans. Ça y est, c'est bon, t'es remonté. Ah, c'est presque limite un petit slow. Oui, Angie, petite fermière, c'est vrai. Heureusement qu'il y en a qui suivent mes lives. Hein. Plus que moi. Je pense qu'ils mettent vraiment le paquet sur le décor et délaissent un peu le gameplay au niveau des différents aspects de jeu possible. C'est un peu ça qui me manque, ouais. C'est vrai qu'au niveau visuel, on ne peut pas dire qu'on est lésé. J'ai l'impression que les besoins baissent moins vite sur Terre. Écoute, j'espère, parce que franchement, les besoins... Je trouve que c'est quand même super dommage qu'on soit tout le temps en train de gérer que ça. Mais en même temps, je crois qu'elle vient de manger, elle a déjà faim, alors elle me fatigue un peu aussi. Hein. Écoute... Non, on va demander une mission. Attendez, excusez-moi, j'ai les retours arrière que je fais. On va se demander à avoir une mission, parce qu'on va quand même se faire des missions encore. Hein. Et après, ça serait bien d'aller peut-être jeter un petit coup d'œil à la Résistance aussi, parce que j'aimerais bien voir ce que nous propose la Résistance. Alors attention, bon tuyau, belle opportunité, voyage d'affaires. On va partir sur autre chose que voyage d'affaires, parce qu'on a bien compris que voyage d'affaires, on part en avion. Donc, belle opportunité ou bon tuyau ? J'attends vos propositions. Code de triche besoin. Oui, on pourrait. Hein.
Mais franchement, il y a des fois, moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est vrai que personnellement, quand tu joues une partie, que tu veux découvrir un gameplay, que t'es pas en train de jouer dans une famille, les besoins, tu t'en passes, quoi. Même si ça m'arrive que très très rarement. Et la playlist du DJ Robot, dont j'ai eu un petit aperçu pour une autre youtubeuse, est plutôt sympa. Ah! Faudrait que je les écoute, les musiques, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les écouter. On espère qu'il y a des améliorations qui viennent avec le temps, on sait jamais. Il serait peut-être temps quand même. Mais non, Aurélie, c'est vrai, déjà, ça y est, on avait oublié Aurélie. Bon tuyau, opportunité, 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 opportunité. Oh, j'ai vu des opportunités. Nous avons une cargaison de produits qui doit être déplacée rapidement. Je vous laisse volontiers diriger cette mission. Ok, on fait ça. Alors, sinon on en est où? Ouf, on a juste passé un petit niveau, hein. On peut acheter un détonateur thermique. On est vraiment content. Niveau 3 en programmation, j'ai toujours rien fait. Utiliser l'holotape de la résistance ou du premier ordre pour localiser les objets de contrebande. Oh! Vous trouverez les holotables dans les quartiers de la résistance ou du premier ordre. Utilisez-les pour localiser les cargaisons d'objets de contrebande afin de trouver où elles sont stockées. Ah! Bah, ça va être dur. Alors attendez, parce que là c'est dommage. Parce que si je vais à la résistance pour utiliser ce truc-là, ben en fait, je vais me griller avec la résistance, non? On va tenter. Je vais à la résistance ou je vais au premier ordre? Je sais pas où aller. Peut-être que personne ne meurt ici. Bah ouais, peut-être que ça arrive. Hein. Huggy, les bons tuyaux. Ouais, c'est trop ça. Je sais pas où aller. Je suis d'accord, la faucheuse est essentielle. Oui, non, mais pas tout le temps. Ouais, mais j'espère que je vais pas me griller, c'est ça que j'ai peur. Bon, je vais y aller, tant pis. Qui ne tente rien n'a rien, on y va. Allez à la résistance. J'ai enfin vu Mini Faucheuse. Cette semaine, mon petit cœur était rempli de joie. T'as vu une mini faucheuse? C'est quoi ça? Mais de quoi tu parles, Aurélie? Où ça, une mini faucheuse? Attention, on est arrivé. Encore faut-il que je trouve l'holotable, parce que moi, je suis déjà venue ici une fois, mais je ne sais pas du tout où est le machin holotable. Et s'il est dans la montagne, j'ai pas encore vu une porte pour y aller. Il est où le camp? Il est là. C'est difficile de se repérer. Hein. Ah, il y a un truc là, non? Là, ok. Ça, c'est pour dormir, faire pipi. Bon, c'est déjà pas mal. Pirater en usurpant des codes d'accès. Ok, super. Et après, ça me fait rentrer où? Ah ouais, doit avoir atteint le rang 2. Bah écoutez, on va essayer d'y aller. Je sais pas du tout, hein. J'y vais comme ça, je vais me faire avoir. Oh, je suis trop nulle. Je crois pas que ce soit ça qu'il faut faire. Il y a une grotte par là. Bah ouais, c'est celle où je vais, non? Ah non, les gens meurent dans Star Wars et s'ils meurent, il doit y avoir des morts. Aurélie. Oui, dans Tricot. Ah! T'as vu la mini faucheuse de Tricot? Et ça y est, t'es heureuse? Elle est toute petite, celle-là. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, heureusement que c'est beau. Hein. Heureusement que c'est beau. Oui, c'est beau, bien sûr que c'est beau. J'arrive pas à suivre, mais je vais taire le chat un peu le temps de suivre. Bah, vas-y. Je parle après. Bah écoute, je t'en prie. Parle quand tu veux. Hein. Ok. Du coup, c'est bien la grotte. Mais là, moi, je suis obligée de rentrer par effraction si j'y arrive. Oui, fidèle à toi-même. Exactement. Oui, si j'y arrive, parce que du coup, c'est bien beau tout ça, mais. Ah! Oh! Elle y arrive. Il n'y a personne.
Ah non, elle n'a pas réussi. Elle s'est un peu pris un petit coup de jus. Dommage. Pirater. Ben, on repirate. Hein. Ça nous fait augmenter. Mais est-ce que du coup, c'est bien là? Ah oui, c'est là. Mais moi, je voulais faire ami-ami avec eux. Alors, si je viens chez eux par effraction, ils vont plus du tout être mes amis. Hein. J'aurais dû aller chez les autres. Heureusement, bah écoute, vu que Star Wars ne m'intéresse pas trop, encore heureux, bah ouais. Hein. Ben non, c'est pas là. C'est juste un trou. Hein? Bah si, je crois que c'est là en fait, le machin. C'est ça le truc qu'il faut que je fasse. Ben non, je sais pas. Utiliser pour localiser des objets de la contrebande. Ah si, c'est ça, localiser. Mais comment vous voulez que je vienne jusque-là? Il me laisse pas rentrer. En fait, j'ai pris une mauvaise mission. Hein. Mais non, mais Poppy, c'est parce que j'ai fait justement ami-ami avec... enfin, je suis avec les méchants sur YouTube. Alors là, je voulais être ami-ami avec les gentils pour voir un petit peu, tu vois. Mais je reste vaurien. Vaurien un jour, vaurien toujours. Est-ce qu'il y aurait une suite comme Petite Femme? Ouais, ouais, je vais continuer un petit peu celui-ci. Et on continuera les 7 bombins aussi. Et la grotte que je parle est juste un trou. T'as vu une grotte, c'est juste un trou. On va voir ça alors. Un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Et j'ai un moustique qui me tourne autour, encore. Un trou. Alors là, en plus en pleine nuit, mais au moins on examine la map, c'est bien. Je ne vois pas de trou. Ok, là je suis là. Après, je sais qu'on en voit certains qui viennent d'ici. Et alors là, je sais pas ce qu'il y a. Bah écoute, je sais pas où il y a un trou. Un trou. Dans le sol, il y a un trou. Où est-ce que tu veux qu'il y ait un trou? Bah ça alors. Vache, s'il faut trouver une grotte avec un trou... dans la roche, dans le mur. Ok. C'est vers des lumières. Il y en a partout. Un peu le genre de Soulani. Ah ouais, la petite grotte comme ça, là. Malheureusement, je peux... Après, je ne pense plus pouvoir venir sur les lives si Miss Corona veut bien. Normalement, je retourne à la fac lundi. Ah ! Donc, si tu live le jeudi, c'est beau pour moi, mais après, ça va être compliqué. Ah bah, pour le moment, je reste sur le jeudi et le samedi. Bon là, je peux pas y aller. Attendez, je me suis perdue. Je me suis totalement perdue. Mais je suis peut-être trop haute pour les voir. Et en même temps, si je vais trop bas, je vais plus rien voir. Là, on peut plus y aller. Où tu vas, toi? Oh! Oh! C'est quoi, ça? Explorer la grotte. Oh, merci Poppy. Cascade égale grotte. Ok. J'en peux plus. Bon alors normalement je serai là. Mais écoute, j'espère que tu pourras être présente. Moi je bouge pas, je serai là. Tu sais où me trouver.
Trop forte, ouais, vite fait, hein, trop forte, j'ai quand même mis 5 heures à la trouver. Regardez-moi ça, elle a déjà le temps d'avoir envie de faire pipi, dormir, de tout. Fatigue. Il n'y a que toi qui as suivi ou compris. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Mais c'est normal, le pauvre, je le lis pas. Il va m'en vouloir. Moi, je suis en train de visiter une grotte, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Il est où? Par qu'elle le vaut... Elle le vaut rien. Elle le vaut bien, c'est ça. Ok, je sors. Oui, sors, sors, sors. Non, reste là, reste là. De rien, Bibiche. Merci. Je pense pouvoir retrouver le chemin vers vous. C'est plutôt sympatoche ici. Ah. Oh. C'est gentil, ça. Et deux pour la blagounette. À la tienne, Seb. Le guide par Katsi. Yes. En explorant la grotte, Sandra tombe. Oh. Mais attendez, je viens de réaliser que pendant toute la mission que j'ai lue tout à l'heure, Sandra, c'est ma Sims. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le vaisseau avec nous qui s'appelait Sandra. J'avais pas calculé que c'était elle. Ok. Donc Sandra tombe sur une enfant qui pleure. Aide-moi. Où est ma maman? Elle devrait être revenue. Sandra emmène l'enfant et commence à chercher sa mère. Après avoir regardé dans de nombreux tunnels, les deux Sims finissent par tomber sur la mère de l'enfant. Elle est coincée sous les débris suite à un éboulement. Sandra soulève... Oh, je vais devenir copine avec eux. Sandra soulève soigneusement les lourdes pierres et la libère. Sandra est une héroïne. La mère la remercie et lui donne des crédits pour lui montrer sa reconnaissance. Yeah ! Sortir de la grotte. Ils vont sortir ou elle va sortir toute seule ? Oh, regardez, il y a des pattes d'éléphant. Mais non, je suis sortie toute seule. L'arnaque. C'est tout, j'ai juste gagné ça. Vous voyez, j'ai pensé la même chose, ça m'a... j'ai un peu honte. J'ai oublié le nom de ma Sims. Et je peux le refaire encore? Elle va se faire pipi dessus. Oui, non, allez, on arrête de jouer. Oh, les lernes, regarde, quand tu disais que c'était beau la nuit. C'est beau le jour aussi, hein, quand même. Vache. Est-ce que c'est beau? C'est trop, trop beau. Faire une sieste. Non, je veux faire pipi, moi. Ouais, ouais, ouais. Et où c'est qu'on peut faire pipi? Me dites pas que, encore une fois, on ne peut pas. Scanner. Il y a un endroit pour faire pipi? Ou alors, faut aller dans la rivière. Ça, c'est très embêtant de ne pas savoir où sont les toilettes. Mais non! Mais, il y a un buisson, un truc comme ça. Je vais encore partir. Pour rien, juste parce que j'ai envie de faire pipi. La cascade pour la douche après le pissou. Mais non, on peut pas y aller, je crois pas. On peut pas aller dans la cascade. Non, mais par contre, vraiment. Mais je crois que j'avais vu des toilettes. Je sais plus à quoi ils ressemblent. Oh, je suis perdue. Ma chérie, mais vas-y, toi, tu sais pas y aller toute seule si je te dis va aux toilettes. Ah bah si, c'est y aller toute seule. Oh, comment elle est plus intelligente que moi. Heureusement que t'es là, Sandra. Moi qui savais pas ton nom il y a encore 2 minutes. Ma pauvre. Mais elle est débrouillarde, c'est pour ça que je l'ai élue. Vaut rien. Elle sait. Oh, un petit serpent. Non, elle va pas se faire pipi. En même temps, ça serait ta joie. Tu vois, je t'ai pas fait une mort. Je vais te faire ma Sims qui se fait pipi. Non, non, non. Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez où, la cabane? Elle va jusqu'où, comme ça? Attends, depuis tout à l'heure, c'était marqué se rafraîchir. Et je l'ai pas vu. Non, c'est pas marqué se rafraîchir. Ça va, je suis pas folle. Donc, on peut pas le faire partout. Allez, plus vite. La pauvre. Là, c'est risqué, c'est tordu, hein. C'est très très trop dit. Ah bah... Zut alors. Ah ouais, mais maintenant du coup... Ah c'est bon, elle y va quand même. J'allais dire, maintenant elle va pas me montrer où c'est.
Bah, c'est trop tard, hein. Fallait l'encourager, mais c'est raté. Je crois qu'il faut que je m'occupe d'elle, hein. Encore et toujours. Forcément, je trouve pas. Forcément, je peux pas trouver. Elle est rentrée dans une tente qui est totalement invisible, là. On est d'accord. Elle est dans un arbre. Non, mais attendez, c'est quoi ce couac? Alors, là, je pige pas du tout. Elle fait pipi dans quoi? Elle a pris la cape de Harry. Non mais c'est ouf ou quoi? Bah oui, je sais que c'est du pipi de chat face à la mort et la faucheuse, mais qu'est-ce que tu veux? On fait avec les moyens du bord, hein. Regarde, tu as le droit à une disparition. Non mais c'est ouf, hein. Alors, je voudrais... Bah non, c'est bon. Et si tu vas dormir? Ah ouais, repars ailleurs. Alors là, franchement, incompréhensible. Je sais pas. Disparution. Bah ça se dit pas? Attends, mais j'ai un trou. Disparition. Je sais plus c'est quoi. Attends, non mais sérieusement, maintenant tu m'as fait bugger, je retrouve pas le mot. Quoi? Disparition. C'est ça? Et moi j'ai dit disparution. Disparition. Ah ouais, et j'ai dit disparution. Bon, vous m'avez compris, hein, en même temps. Bon, j'ai un peu crié, je suis désolée. Mais j'ai eu un bug de... J'ai eu un bug de tête. Oh mon Dieu. Non, mais t'as pas dormi du tout, là. C'est pas le moment de faire une sieste. Dors. Attends, tu sais pas de quoi tu vas vivre demain. Déjà qu'on sait même pas... Franchement, je suis buggée par les toilettes, quoi. J'en reviens pas. Disparution. Exactement. C'était ça que je disais. Disparution de mon dernier tome. Voilà, quoi. On a des coups d'heure. Des coups d'heure. On a le des coups d'heure. Vous inquiétez pas. Pas de soucis. Alors, c'est bien, pas de soucis, mais est-ce qu'on peut manger ici, maintenant? Non, ici, je crois qu'on peut pas manger. En fait, on peut rien faire dans ce... Ça, c'est vraiment très embêtant. Vous qui avez tous vu quelque chose et qui connaissez mieux la map que moi, est-ce qu'on peut manger ici? Ou est-ce que c'est comme les toilettes, c'est caché, c'est peut-être qu'on verra, peut-être qu'on verra pas. C'est ouf. Je comprends pas du tout. Elle va retourner aux toilettes. Non mais en fait, il n'y a rien. Oh, ça m'énerve. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai une envie, franchement, d'enlever ces besoins qui me fatiguent. Allez, Pépette, retourne dans la forêt. Ok, c'est vraiment là, en fait, qu'elle va. Bah ça alors. Parce que en fait, il n'y a rien à cliquer, hein. Allez ici. Allez, ouais, je pige pas. C'est un bug ou... Évidemment, je maîtrise les mots car je suis philosophe. Oh là là. Où on a le découdeur. C'est dommage de ne pas avoir mis des coins dodo, pipi, manger dans toutes les maps. Non mais ça, ouais, par contre, ça, c'est chiant. Là. Parce que là, du coup, vu qu'on peut pas avancer avec elle, en gros, si on voudrait faire autre chose ici, on est quand même obligé de retourner de l'autre côté pour juste aller manger, pour revenir ici.
Là, je comprends, ouais, ça, là, c'est mal foutu. Donc la bouffe, c'est ici, quoi. Coucou Pop. Quoique maintenant que t'as réussi à les coucher? Non mais vache, ils étaient durs à coucher, hein. Je dois vous laisser. Bonne nuit, Lessa. Je me moque, mais je fais pas mieux. Ouais, je sais que je suis pas toute seule dans ce cas-là, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me ressemblent. Bon, je voudrais manger. Il n'y a personne pour manger. Ah bah, c'est du beau. Oh bah, c'est du beau. Bon, on va manger. Ici. Ça me va bien, ce rôle de mauvaise conscience. Triche, NJ, triche. Ah! Ouais, mais j'hésite, hein, franchement. Multitâche. Bon, bah, on va tester un autre truc, hein, on n'est plus à ça près. Avec le code pour afficher les terrains cachés, on doit pouvoir placer un toilette quelque part, hein, sur chaque espace de la map. Ah oui, mais est-ce que tu peux... Ouais, un toilette. Alors, toilette, apparemment... Bah, là aussi, il y a dans la résistance, c'est dans le premier ordre, je crois qu'il n'y a pas. Par contre, là, c'est carrément, c'est la bouffe qu'on n'a pas. Et là, la bouffe, on l'a juste ici. Et du coup, je sais pas si tu peux... Ah si, dans le premier ordre, j'ai vu qu'il y avait une fille... C'est pas ici? Non, c'est pas ici. Il y avait une meuf dans une petite tente, là, qui fermait et couvrait son rideau comme une petite boutique. Par contre, je sais pas du tout si elle vend de la bouffe ou si elle vend des ustensiles. Mais là, par contre, c'est... Ouais, ça, c'est mal fait. Mais bon, déjà, vu qu'ils ont enlevé les couchages, qu'ils ont enlevé les douches, qu'ils ont enlevé les toilettes, c'est qu'ils se sont dit, les gens, ils vont carrément enlever les besoins, ils vont pas s'en occuper. J'ai même pas vu, il y a Kylian qui est là. Coucou Kylian, si t'es passé, je t'ai pas vu. Le code, ouais, non mais je vais pas. C'est à manger qui va manquer. Tu as une gitoune de bouffe. Ah ouais, c'est bien. Alors c'est ça, elles vendent la bouffe. Bah, peut-être que je l'ai pas trouvé à la résistance. Une dame pipi qui vendait des ustensiles. Elle fait quoi, ma Sims? Elle est où? Elle a mangé, attendez, elle a commandé un plat. Elle a même pas réussi à se nourrir en entier. Non mais sérieux. Comme on peut construire sur certains terrains, je pense que l'ajout d'une toilette de ville ou d'une station. Ah ouais. Ouais, faut essayer. Oui, bah c'est bien, jette tes courses par terre, t'as raison. Du coup, il faut retourner encore manger. Parce qu'elle n'a pas fini de manger, elle n'est pas divertie. Moi, je veux faire des missions, hein. Je veux pas passer ma vie à ça. Hein. Divertie. T'es pas divertie, ma pauvre fille. T'es où? Attends-moi! Ils anticipent mes pratiques à ces développeurs. Du coup, t'es en pleine forme. Ouais, presque. Eh ben, on y retourne, on va aller discuter, hein. Puisque là, ma mission, je suis complètement bloquée. Ça et programmation. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Je suis complètement bloquée. Je n'étais pas prête de passer dans le truc, hein. Je pense qu'il faut que je me fasse ami-ami pour après mieux être une traite. Vous voyez ce que je veux dire? On fait copain-copain, on rentre à l'intérieur et après, on leur fait à l'envers. Comme un vaurien, quoi. Donc, il faut que je fasse ami-ami avec la résistance. Je sais pas si avec toi, je peux faire ami-ami. Attends, bouge pas.
Je sais pas si elle donne des missions, elle, ou pas. Ah, par contre, tu me fatigues, hein. Oh, oh. Tranquille, présentation amicale. D'après ce que j'ai vu des autres let's play, il n'y a pas de quoi bouffer chez les résistants. Flèche noire, la cantina, première rôle de stand, et les résistants, rien, tu résistes en crevant la dalle. C'est ça la résistante, la résistance. Petite question, c'est quoi les petites couronnes bleues? Ah! Ah, c'est les Prime, c'est ceux qui sont abonnés avec Prime. Angie doit se faire des amis. Pourquoi tu rigoles en disant ça? On va se faire plein d'amis, non? Mais je suis pas sûre que ça soit la bonne, elle. Écoute, temps limité, c'est une bonne question. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas affiché. On va croiser les doigts, hein, on verra bien. Puis si c'est pas... si c'est limité, bah tant pis, on en reprendra une autre. Hein. Mais je trouve que c'est le meilleur plan à faire. Alors, on va, hop, discuter un petit peu avec elle, faire connaissance, s'enthousiasmer, peut-être pas se renseigner sur les biens précieux. T'aurais pas un petit truc que je pourrais te piquer, si tu vois ce que je veux dire? On va discuter des Wookiees, des blocs de données, du sabac, et ensuite, on va peut-être discuter un petit peu de la force. En fait, de tout, quoi. Ok. Et on en est où, nous, là? Niveau? Ah oui, on est rien du tout. Hein. C'est pas grave. On avance. Ce qui va être le plus dur, c'est en fait, d'avoir des missions. Comment on fait pour avoir des missions avec elle? Je suis en train de réfléchir parce que je me dis... est-ce qu'elle va me donner des missions? Et est-ce qu'elle me donne des missions? Je sais même pas. Bon courage, ta sim, c'est solitaire. Oui, je sais. Et alors? Et alors, tu n'as pas confiance en elle? Je fais pas dans la dentelle, c'est la chef. Ouais, mais justement, et du coup, bah, et alors c'est elle qui donne les missions, non? Mais c'est ça que je veux une mission. Je veux les aider, je veux faire copain-copain. Mais du coup, je sais plus comment... est-ce qu'elle va me donner une mission ou pas? Parce que si elle m'en donne pas, oui, je suis un peu dans... Je suis un peu dans le caca quand même, conversation profonde, comment faire? Je sais pas si je vais pas augmenter mon abo. Ça... C'est grave rare, mais ça lag pas. Mais ça n'a rien à voir avec ton abo hein, que ça lag ou pas. Hein. Ouais. Mais comment on fait pour obtenir les missions du coup? Moi, je suis perdue là. Malheureusement, je ne peux pas soutenir avec de la money, ni de sub, mais je soutiens avec le cœur. C'est déjà tellement beaucoup. Ils ont plus de mal à se faire des potes. Mais regarde, elle est en train de devenir pote. Mais en même temps, là, c'est pas ça mon dilemme. Merde, c'est pas ma vraie copine. Hein. Ça va pas être ma vraie. C'est une fausse copine. Mais comment on fait pour avoir une mission? Est-ce que je peux avoir une mission? Oh! Linette, c'est trop gentil, merci beaucoup. Elle a offert un sub à Lélerne. Voilà, Lélerne, tu as un sub. C'est trop gentil. 6 mois? Waouh! Bah, c'est trop gentil. Merci à Linette. C'est un amour, Linette. Mais je suis perdue, là. En fait, je suis vraiment dans... Avec plaisir. Ah, c'est trop mignon, Linette. Merci beaucoup pour elle.
Bah ouais, c'est avec les chefs, mais justement, donc elle est résistante. Alors comment trouver un chef arnaqué pour... Mais ouais, mais moi, je voudrais... Ou alors, est-ce que je peux pas leur demander d'avoir des infos? Je veux voir un chef, mais là, elle a pas de pastille sur la tête. Elle est où, celle avec la pastille, là? Je veux la chef, moi. Quoi, tu veux pas me parler? T'es pas gentil, toi? Attends, je suis super gentil. Discuter. Pourquoi personne ne me demande de pouvoir parler de la résistance? Ah, parce qu'en fait, ils sont cachés. Je sais pas du tout comment je peux faire avec la résistance. Mais comment ils ont fait pour rentrer dans la résistance? Vache alors, hein. Je suis nulle ou quoi? Tu es vaurien, il n'y a que le chef Hondo Onaka que tu peux demander des missions. Ah mais alors on peut pas! Mais c'est trop nul! Il aurait fallu que d'abord je commence avec eux et ensuite... Oh non... Si vous saviez ma tristesse! Bah alors comment je fais pour rentrer là-dedans moi? Ok, eh ben j'irai pas à la force alors. Ah non, je suis dégoûtée. Moi, je voulais trop. Oh, il y a une autre grotte là. Ah non, je vais voir des grottes partout maintenant. Non, je suis vraiment trop. Ah, j'ai plus de piratage de machin. Oh non. Il faut que je retourne là-bas pour acheter un truc. Je suis dégoûtée. Si vous saviez à quel point... Il n'y a personne là? Ah si, il y a quelqu'un. Ouais, mais non, il n'y a personne. Ouais. Bon, bah ok, bah, je me suis fait U alors. Je suis trop dégoûtée. Bah en tout cas, cette mission aura été beaucoup, très compliquée. Beaucoup plus compliquée que ce que je m'imaginais. Voilà, c'est très compliqué. Faut parler à d'autres gens de la résistance et à force, t'auras une mission. Ok, on va faire ça. Voilà. Alors, ok, on va faire ça. Déjà, elle a besoin de divertissement. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas baisser les murs. J'ai oublié ce truc-là. Alors, divertissement, on va venir danser, ce qui aurait été bien, car on va se renseigner sur la résistance. On va essayer de le faire comme ça. En même temps, on va danser. Perds pas de temps. Essaye de parler le plus possible aux résistants. Ok. Si vraiment il faut déjà choisir un camp, puis ensuite seulement aller chez les Vauriens, c'est nul, je suis dégoûtée aussi. Ah bah écoute, on va voir. Peut-être qu'il y a peut-être une autre façon de procéder. Mais ouais, là du coup, j'ai eu un blocage en me disant mais c'est pas possible. C'est vrai qu'il n'y avait plus rien qui se proposait. Ça serait vraiment dommage si on ne peut pas le faire comme ça. Mais pour le moment, elle a vraiment besoin de danser. Oh là là, qu'elle me fatigue à chaque fois. Obtenir, arnaquer tout le temps. Oui, il faut toujours arnaquer. On va... Je peux lui acheter des trucs à lui, acheter du matériel de vaurien. Allez, achète en même temps. Et en même temps, elle danse. Je pense que tu peux débloquer les interactions avec eux en parlant beaucoup avec d'autres personnes que la chef. Ok. Et en même temps, je prends quand même des récupérateurs de données. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Allez, on en prend 8 avec nous. Wonder Lily, bonsoir. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est les chefs de faction qui peuvent nous donner des missions. Donc, la personne qui a l'icône de la faction au-dessus de la tête qui peut donner les missions. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui, mais alors, le truc, c'est que, justement, je ne sais pas quelle est... Ah bah, faut que j'aille voir. Est-ce que dans l'autre, il y a mon chef Agnon, là? On va aller... Arrête de danser. Vaurien. Oui, bah oui, forcément, en plus, il y a beaucoup de vaurien. Je vais aller voir si... Attendez, j'ai perdu le nom. Au quartier du premier ordre, est-ce qu'on voit bien son écusson au-dessus de sa tête?
Ah bah oui, lui, il a les cuissons. Donc, celle avec sa veste orange, c'est pas la chef. Sandra se déchaîne, carrément. Parce que dans tous les cas, pour la résistance, pour y rentrer, faut... Après, la... Voilà. De la résistance à des gens de la résistance, et ensuite, t'auras une quête. Ah, bah oui, mais en même temps, ils sont cachés, c'est vrai. Bon, en même temps, les vrais, ils sont aussi un petit peu cachés. Bon, bah alors, on va essayer de parler de la résistance. Elle, c'est une vendeuse qui vend. Ah ouais, elle vend bien à manger. Ok, bon, bah, retournons à la résistance et on va parler avec... Je fais que ça! Si, si, Angie, mais c'est normal. Quoi? Oui, Angie, c'est peut-être une bonne solution de parler aux résistants. Allez, on y retourne. C'est bien, je vous aurais baladé. Hein. Au moins, on visite. C'est bon, on a bien vu la map. Hein. Ok, campement de la résistance, c'est-à-dire le campement où vous avez les toilettes invisibles. Parfait. Discuter. Est actuellement en patrouille. Bah écoute, je sais pas ce qu'elle patrouille, elle patrouille pas grand-chose, hein. I. En. Eh. Non, toi t'es en patrouille. Ok, présentation amicale. Je vais parler avec toi. Bonjour, monsieur. C'est bien résistant? Oui, c'est bien un résistant. Oula, il y a tout le monde qui arrive sur moi. On va éliminer et on va discuter... Est-ce qu'on pourrait avoir des trucs en rapport avec Batou, discuter des chasseurs? Je sais pas moi, de quoi tu veux que je parle? De la force? Des blocs de données? Demander de regarder les nuages. S'enthousiasmer à propos de Batou, ouais. Non attends, reviens, je te dis un truc. Bon, en même temps, je les intéresse pas beaucoup, hein. L'âne trop. Et bah, il... Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un drôle de bruit, c'est ça. Vous aimez pas mes petits cris? Discuter des centres d'intérêt. Viens, je te parle un petit peu. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne me parle. Normalement, je pensais qu'on pouvait au moins leur demander voilà, des trucs. Tu connais un peu le premier ordre ou machin. Et là, j'ai l'impression qu'on peut parler à personne. Mais oui, si, j'ai une mission active. Si, si, elle est toujours active, ma mission. Mais il faut que je rentre par la force. Alors, ça se trouve, en fait, c'est juste une histoire de programmation, mais... Mais voilà, je voulais pas trop rentrer par la force. Je préférais... Tu veux changer de mission? Angie, tu peux changer de mission et... Cap méchant, gentil ou neutre quand tu veux. Faut la retirer. Ah, mais tout à l'heure, j'ai été voir le lieutenant Agnon. Il a bien son écusson. Je peux bien lui demander des trucs. Sur tes petits bruits avec Fall Guys. Ah ouais, ça, j'en ai fait des bruits avec Fall Guys. Discuter de la force. Après, on peut retenter hein, d'essayer de forcer. Hein. On peut le faire comme ça. Hein. Elle est où la porte? Que la porte soit avec moi. On sait jamais. Je change d'avis toutes les deux secondes. Je suis fatigante. Peut-être que tant que t'as pas fini la mission, tu peux pas en demander une autre. Ouais, je peux pas en demander, mais de là à ce que on parle même plus de rien. Mais oui, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. C'est peut-être ça. Vous avez raison. J'aime pas abandonner une mission, ça serait un échec. Bonsoir, Seth. Si tu peux avoir une mission active, tu ne peux pas en avoir une autre. Bon, bon, moi, c'est clair. Hein. Faut finir ta mission et après, tu changes. Ok. Mais je peux pas non plus... Ah oui. Bah non, oui. Bon, bah écoutez, on va essayer de pirater. On verra bien. Pour le moment, il n'y a personne. Pirate, ma fille, pirate. On y croit. Non, mais par contre, à un moment donné, je sais pas, essaye de faire... Mais y du tien. On recommence. Quand on aura marre de cramer. Bien sûr, maintenant, il va y avoir quelqu'un qui arrive. Ah, ouais. Bah ouais. Oui, il y a quelqu'un qui arrive. Je l'ai vu avec ses nattes roses. C'est bon, t'inquiète. Ils partent tous faire pipi, ils s'en foutent. En même temps, ils doivent pas être très actifs, hein, s'ils mangent pas, les pauvres. Mais non!
Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est bon, il y a tout le monde qui va arriver derrière moi. Je vais au lit, bon courage. Merci, Sinalis. Bonne soirée. Bisous à toi. Moi, te dire de retourner à la cantina pour introduire ton désir d'entrer à la résistance auprès du DJ du robot. Les autres ont tous fait ça. Ok, 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 ok. Tu fais rien, là ? Bah, j'en avais acheté beaucoup, quand même. Ah, tu veux plus ? Accès accordé. Bah, laissez-moi passer, les gars. Laissez-moi passer. J'ai que ça à dire. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je suis dans votre camp. Nous sommes tous amis. Ensuite, je dois faire quoi ? Oh, je me suis infiltrée, les gars. Oh, oh, il m'a fait peur, le truc. Bonjour, monsieur. Être confronté. Mais non, mais carrément pas. On se confronte pas. Si on se confronte, il va me sortir. Écoute, si tu veux, on peut parler. Non, 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 je ne parle pas avec toi, tu comprends? Va-t'en. Comment ça? Regarde, vas-y, tape là, première bagarre. Aurélie, c'est pour toi! J'ai pas gagné? Comment ça, j'ai pas gagné? Non! Dis pas yes, je suis fait virer. Je me suis fait virer. Je suis trop nulle. On était quand même rentrés. Je peux même rien faire. Je suis dégoûtée, sinon j'aurais sauté dessus. Ah ouais. Ah mais carrément, tu me ramènes jusqu'où là? Vas-y, viens. Viens, on court par là. Achète-toi à droite. Achète-toi un droïde pour la distraire. Oh yes, il faut acheter un droïde. Il faut faire tellement de choses. Je vais acheter un sabre aussi pour lui trancher la tête. Faut faire trop de trucs. C'est trop bien. Non mais sérieusement, mais il y a trop de trucs à faire en même temps. Mais vous vous rendez compte? Faut aller acheter un droïde. Un droïde. Un droïde. En même temps, faut aller décapitation. Ouais, on a un peu la pression. Elle m'emmène vraiment à l'autre bout du truc. Enfin, non, c'est bon. Ah oui, tu parlais d'autre chose. D'accord. Mais il faut aller en même temps essayer de rentrer dans la résistance, en même temps faire avec les vauriens. Et puis, voilà, il y a trop de trucs. Par contre, je suis dégoûtée. Moi, je voulais monter dans des petits vaisseaux, là, et on peut pas. Ça, je suis trop deg. Ce n'est pas mon genre du tout, j'ai toujours été sage en boîte, promis. En boîte ? Elle te sort comme les gars en boîte quand tu fais n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça, tu connais bien. Elle m'a vraiment, mais vraiment virée de très très loin. Hein. On est d'accord. Je me suis fait complètement avoir. Alors... on peut se renseigner sur la résistance, mais pour le moment, je ne peux rien avoir, effectivement, parce que j'ai une autre mission. Donc, je ne pourrais pas faire ce que je voulais faire. Après, je pourrais très bien, effectivement, arrêter cette mission et essayer d'abord de rentrer dans la résistance et ensuite de virer dans le camp des Vauriens. En fait, de devenir une traite, tout simplement. J'ai entendu dire que la résistance se cachait dans la forêt, mais je ne peux pas y aller. Oui, je sais, je sais, je sais. Et lui, il va pas pouvoir faire présentation amicale, si on veut. Coucou! Super. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars plutôt dans l'optique? J'achète un droïde et après, j'essaye... Je vais jusqu'au bout de ma mission. Mais franchement, un droïde, je crois que j'ai pas assez de pièces en plus. Il va me falloir d'autres trucs. Non, c'est pas celui-là. C'est l'hymen. Merde, attendez, je suis perdue. Allez où ma boutique? C'est quand même pas compliqué de retrouver un... Il y a trois boutiques.
Et à chaque fois, je perds ma boutique. Ouais, j'ai perdu ma boutique, hein, complètement. Je sais pas où elle est. Boutique. C'est là. Boutique d'antiquité. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, là. C'est pas celle-là. Elle est pas sur l'autre map. Oh là là, je suis encore... Je suis passée devant la chef de la résistance? Mais non! Mais non, je l'ai pas vue! Aurélie, tu m'as fait rire. Je peux avoir une autre baston en plus. Parce qu'elle était trop courte. Bah écoute, on verra. Attendez, moi je suis perdue. Magasin sur l'autre... Ah, mince. C'est bien ce que je pensais. Bon, alors on... Elle était au bar? Elle était au bar. Elle y est plus, c'est ça que tu vas me dire? Ouais. Vaut rien. Eh bah ouais, bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Bon, bah je l'ai loupé. Bon, je fais quoi? Je fais quoi? Je vais quoi? Je vais dans quel sens? Là? Mais non! Là quoi? Elle y est pas? Attends, là qui? Kylo Ren? Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Et je la vois pas, moi. Il y a le symbole sur sa tête. Non, mais attendez. Je vois rien. Ah, oui, mais... Non, mais ça, c'est Hondo Naka. Elle est plus là. Ah, j'ai cru que je devenais folle. Ok, ok. J'ai déjà dit ok, ok. Oh. Vaut rien. D'accord. Non, faut que je me concentre sur un truc. Faut qu'on soit dans une direction. Parce que là, je vais dans trop de trucs. Comment je peux faire? Est-ce que j'annule cette mission ou est-ce que je continue cette mission? La résistance, c'est vie. Avec la veste orange. Ok. Bon, la veste orange, on l'a vue, mais c'est vrai qu'elle affiche pas son truc. Non, je crois qu'il bouge pas. Lui, il est tout le temps au bar. L'autre, il est tout le temps à côté de son vaisseau. Et elle, elle est dans la forêt. Qu'on rigole à ce point. Mais là, je rigole pas, je suis perdue, je sais plus quoi faire. Attendez. Déjà, faut que je remette ma petite musique parce que sinon, vous m'entendez trop réfléchir. Et quand je réfléchis trop, c'est chiant. Et bien, justement, tu vois, si tu vas dans les bois maintenant, la chef devrait avoir son bidule au-dessus de la tête. Mais non, parce que j'ai pas arrêté ma mission. Ma mission, elle y est toujours. Donc, il n'y a pas de raison. À choisir la mission avant l'aspiration ou alors c'est que j'ai pas compris. Non, en fait, c'est que bah, là, le problème, c'est que la mission, je sais pas comment la faire. Faudrait que j'aille soit peut-être effectivement prendre un droïde, donc acheter un droïde, mais en même temps, j'ai pas beaucoup d'argent. Si déjà, je commence à tout acheter, aller acheter un droïde pour essayer de rentrer par effraction, mais en même temps, je voulais sinon, moi, devenir résistante et ensuite... me faire partie du clan des Vauriens. Mais pour devenir résistance, faudrait que j'arrête ma mission, en fait. Non, je suis partie dans le mauvais endroit, c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est compliqué, hein? Mais si, j'étais déjà passée par le robot, Poppy. Attends. Non, elle l'a toujours pas. Hein.
Non, non, je crois que c'est vraiment parce que j'ai ma mission. Est-ce que je tente? J'annule ou pas? On veut un droïde, on veut un droïde. C'est vrai? Je suis pas sûre de pouvoir l'avoir en plus, parce que je crois qu'il me manque des pièces, ou je sais même pas si j'ai pas, s'il faut pas un niveau. Jodie, bonsoir, merci pour ton follow. C'est ça le problème. Alors attendez, on va voir vite fait. Moi ça va, c'est pas trop long de faire une map à une map. Mais quand même, c'est chiant. Quartier du premier ordre, que je me trompe pas. Mais je crois que pour le droïde, faut avoir un certain niveau. Ou alors c'est très très cher. Allez. Et en plus, après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Imaginez, j'achète le droïde, mais le truc, il faut lui rajouter 50 000 machins. Attendez, déjà, faut que je retrouve la boutique. Boutique, c'est là. Acheter des jouets et de la ferraille. Acheter des puces. Ok. Mais en fait, je peux... C'est ça? Y'a que ça? Encore une fois, y'a pas marqué le magasin, c'est chiant. Y'a un autre magasin ou pas? Commander une unité R personnalisée, commenter... Bah, ouais. Il faut 7 ferrailles. 7 ferrailles. Ouais, la ferraille, il y en a sur les petits tas. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut, ouais. Unité bébé miniature. Cette bébé miniature est fabriquée par Mubo en personne. Mais une unité, ça fait quoi? C'est pas un robot. Ça va faire un robot. C'est quoi le mieux? C'est les R ou les bébés? Je suis sûre que personne va être d'accord encore. Le temps que j'aille chercher un petit peu de ferraille. Si j'en trouve. Ah, les maps que je sais pas d'où ça finit, où ça commence. Là, ici, il y en a un. Tas de ferraille. Nishinoayu. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Là, 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 ferraille, ferraille, ferraille. Il n'y en a pas beaucoup en plus, hein. Franchement, ils sont ledge. Hein. De la ferraille, une ici aussi. R2D2. R. Moi, j'ai pris R. Ah, vous êtes plus R. Ah, je croyais que vous étiez plus bébé, mais... Ok, bah, je pensais pas que vous étiez R. Ah, j'aurais été persuadée que vous alliez tous me dire bébé. Bon, après, je suis génération R2D2, hein. Même si j'ai pas vraiment connu. Mais en même temps, j'en ai déjà entendu parler. Bon, bah, j'aurais que... J'ai pas cette unité. Hein. On va essayer, on va voir. Prends pas ça, c'est une peluche. Mais non. Mais non. Je vais bientôt dodo. Mais tu m'aideras à dormir, MDR. Bah écoute, tant mieux, Nif. Je suis là pour ça. Je te chanterai pas une petite berceuse parce que là, par contre, je vais te réveiller. Surtout que j'ai regardé, on peut pas faire BB8 alors que R2D2, on peut. Oh, vache, alors si on peut faire R2D2, trop bien. Mais alors là, je sais pas du tout, hein, moi. Je le fais quelle couleur, hein? Noir avec une tête mauve. C'est bien ça, non? Mais c'est pas des peluches, hein? Mais si. Cette unité R miniature est fabriquée par Mubo en personne. Elle constitue un objet décoratif idéal pour commémorer le temps que vous avez. Mais si c'est une peluche! Pas là, NJ. Ben oui! Malicofication! Bonsoir, merci pour ton follow. C'est une peluche! Ben ouais! Mais.
comment on fait? Faut que t'achètes des ferrailles. Oh non, non, mais faut que j'achète trop de trucs quand même. Ça fait beaucoup de choses à acheter tout ça. Hein. À la base, moi, je suis venue voler. Hein. Merci, Nif. Bon, bah, j'achète de la ferraille. Il m'en manque combien? J'en ai 3, non? Je sais même pas. Attendez, je sais même pas combien j'en ai. Il m'en manque 2. Ok, attends, on y retourne. On rachète 2 ferrailles. Oui, cette mission qui devait nous rapporter de l'argent, voyez-vous, en fait, nous coûte de l'argent, là. Hein. Ok. Et maintenant, je commande une unité. J'ai eu peur parce que j'ai vu 10 ferrailles. Quoi, mais qu'est-ce que t'as? Qui est dans le menu? Faut le truc 1000. Ça y est, c'est bon là, je suis bonne là, non? Oui. Arrêtez, je suis en retard sur vos messages. Ok, ça y est, c'est bon, on a tout dépensé, j'ai plus une thune, je suis ruinée, merci les gars. Maintenant, je fais quoi? Je prends une tête. D'accord, je prends une tête. Bah écoutez... Je vais faire sobre. Non. 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 Celui-là. C'est ça? Ok, je prends celui-là. Sélectionnez ensuite son corps. Je prends là, le premier. Toujours écouté Tony. Ah, vous avez compris, c'est Tony, hein. C'est le troisième. D'accord, alors je prends le troisième. C'est bon? Je peux y aller? Angie claque quasi tous ses crédits pour nous faire plaisir et avoir un druide. Mais carrément! J'ai plus rien, là. Je suis ruinée. Je suis à sec. Mais j'ai mon petit RD22. Yes! T'es mon copain? Lancer le protocole, attendre, désactiver, bidouiller, maintenance, discuter, allumer. Bah tout. Ah, il a mis de la musique. Ah, ok, super. Je sais pas si je peux bidouiller le druide. Non, peut-être pas. Maintenance, améliorer le druide de protocole. De surveillance de pilote. Nécessite une puce de personnalité de droïde venant du dépôt de droïde. Protocole. Maîtrise de personnel. Oh là là, bricolage. Oh, wow, mais je sais pas bricoler moi. Niveau 3 en bricolage. Niveau 5 en bricolage. Non mais attendez, en gros, faut avoir la fuséologie. Faut avoir le bricolage, faut avoir la programmation. Ah ouais, en fait, si t'as un Sims qui a rien comme compétence, t'avances beaucoup moins vite quand même. Du coup, je sais pas ce qu'il est capable de faire. Il y a un panneau quelque part. Lancer le protocole brouillé. Lancer le protocole scanner. Oh, trop bien! Lancer le protocole, envoyer une décharge électrique. Ok, ok, attends, d'accord. Excellent! Trop bien! Il est perfect. Attendez, il me suit parce que... Pipi, pipi. Alors, on va retourner là-bas. Et ce coup-ci, on va essayer de scanner l'autre, là. De le brouiller, de je sais pas quoi faire. Mais on va le faire. Reste là, bouge pas, on arrive. On n'entend pas sa musique. Mais ouais, mais c'est parce que normalement, je mets pas les musiques du jeu parce que on peut se faire strike sur YouTube avec plein de musique, malheureusement. Mais je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors attendez, on va essayer. Hein. Maintenant, si ça strike, ça strike. Hein. Hein.
Musique. Non, c'est pas ça. Audio, on recommence. Musique ici. Appliquer. J'entends rien, moi. J'entends rien parce que j'ai pas de son en fait. Régler le volume. Élevé. Vous entendez quelque chose, vous? On n'entend rien non plus. Attendez, c'est peut-être pas musique, c'est peut-être. Est-ce que c'est musique des objets? J'étais à 15, faut s'en rappeler, hein. Parce que là, je suis en train de tout déprogrammer. Ah ouais. C'est pas tout à fait à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas? C'est ouais, c'est Bollywood, ouais. Bon, et sinon, moi je fais pipi, mais je suis où maintenant? Mais je suis où? Ma Sims, elle est où? Je l'ai perdue. Qu'est-ce qui se passe? Mais non! Eh, vous en prenez pas, mon petit. J'ai perdu ma Sims, hein. Entre nous, j'ai perdu ma Sims. Je sais pas du tout où elle est. il est où le truc? Non, mais c'est nul. Comment j'ai pu perdre ma Sims? Eh, elle a fait la même chose que ce qu'elle a fait dans la forêt. Elle est partie, je sais pas où. Attendez. Eh, mais je suis au premier ordre là, non? Eh oui, je suis pas au bon emplacement. Elle s'est tirée sans moi. Il y a des toilettes qui a la flèche. Eh ben. Oh. Elle est partie toute seule. En fait, elle m'a laissé tout le temps. Elle m'a laissé tout le temps. Elle m'a laissée toute seule. Mais elle n'est pas partie faire pipi. Je sais pas où est-ce qu'elle était. Écoutez, j'ai pas compris, mais en tout cas, oui, ça bug un petit peu quand même, hein. Allez. Se rafraîchir. Oh là là, faut tout refaire encore. C'est chiant. C'est vraiment très très chiant. Les besoins, franchement, je m'en passerais bien. Vous entendez la musique? Ailleurs, ça bug. J'ai eu pareil dans la forêt. Mais oui, mais tout à l'heure, c'est ce qu'on a eu aussi, hein. Elle est partie, en fait, faire pipi au milieu d'un arbre. Elle a disparu au milieu d'un arbre. On n'a pas compris. Il déchire. Et encore, tu l'as pas vu en action. Hein. On aurait bien voulu le voir en action, quand même. Tu vois, Angie, la triche te gagne. Ah, mais carrément. Je crois que, franchement, je pense que pour apprécier le truc... surtout quand tu vois, là, il faut le bricolage, la fuséologie, le machin, enfin, t'as trop de trucs à faire, t'as trop envie de passer ce morceau, tu vois. Après, j'avoue que si tu dors plus du tout... Oh, vous avez vu, il y a une petite grenouille qui saute! C'est une sacrée grosse grenouille, hein, quand même, hein. Elle fait un peu peur. Ah, mais il y en a partout! Il y en a une là aussi, une là. C'est... Ah! Ah oui, nous sommes envahis. Oula! Ah oui, il y en a plein là aussi. C'est mignon. Comme je disais, en fait, il faut monter les compétences à fond sur terre et pour venir surbattu. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de compétences en fait que tu dois. Ou alors, bah écoute, tu fais au fur et à mesure. La programmation, j'ai vu qu'en faisant les tableaux et tout ça, tu peux augmenter ta programmation. Après, c'est vrai que pour le bricolage, je sais pas du tout si tu peux augmenter le bricolage ici. Hein.
Donc du coup, tu peux effectivement avoir un côté, tu retournes chez toi et tu augmentes tes compétences, mais bon voilà. On essaye juste, bon, toute mère elle est dans un sale état, je vais juste essayer de voir si j'arrive à finir ma mission. Et puis toute mère, après on va s'arrêter quand même, il est 23h26. Il est très très tard, surtout que demain, on doit partir. Demain, on doit partir. Demain, on doit se lever, c'est surtout ça. Il ne faut pas que j'oublie que demain, on se lève. Là, je suis à fond dedans. Mais demain, je vais être à fond dans mon lit, je ne vais pas comprendre. Et la maîtresse, ça ne va pas rigoler. Hein. Si j'arrive encore en chaussons et en pyjama pour emmener mon fils à l'école, ça ne va pas le faire. Je voudrais quand même avoir une certaine petite prestance. Vous voyez? C'est pas que j'en ai beaucoup, mais un minimum, quoi. Hein, faut que je refasse. Hein. On refait. Bon, faut pas que je me prenne encore 50 coups de jus, ça serait bien. Je pense qu'ils ont fait exprès pour que les parties durent plus longtemps. En même temps, là, pour le coup, elles vont durer plus longtemps. Non, mon R2, il est pas là. Il est où? Papa, il est pas venu avec moi? Il est pas venu avec moi ou je vais trop vite pour lui? Oh non. Ah non, dans mon inventaire, il est dans mon inventaire. Ah non, il est dans mon inventaire. Gemerzone, bonsoir, merci pour ton follow. Mais non, ah, excellent, j'aurais jamais pensé à ça. Attendez. Oups. Allez, reviens à toi. Quand même, oui, présentable. Bah ouais, un minimum. Et là, il fait un petit peu tard. Tranquille. Hein. Bon, oui. Hey, attendez, on peut pas. On peut pas. Je peux pas passer. Comment on fait? On recommence alors. Allez. On avance rapide. J'ai pas réussi. Je vais plus avoir de trucs. Il peut faire un truc lui ou pas? Lancer le protocole. Ah, faut que je lance le protocole suivre. Suis-moi, chérie. Bonne nuit, Ced. Faites beau rêve. Les transitions entre le temps du chargement et l'arrivée en jeu, c'est un vrai clin d'œil au film. Ah, j'ai pas vu. Je sais pas. Par contre, là, les musiques, elles sont pas top. Hein. Non, 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 s'il te plaît. Allez. Vas-y, je veux rentrer. On l'a fait une fois. Non. Ah non, j'ai vu que je pouvais lancer le protocole brouillé. Oh, 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 oh. Vas-y. Oh non, mais il est nul lui aussi. Votre droïde a fait un court-circuit, a besoin d'être réparé. 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 Mais non. Mais non. Réparé. Mais non, j'ai pas de ferraille. Ah bah alors là, pour jouer, pour... Contempler. Bon, on s'en fout de contempler, moi je veux de la ferraille. Pour le coup, là, c'est clair que tu fais pas le truc tout de suite, quoi. C'est bien. C'est vrai qu'il y a un côté, je suis un petit peu vénère. J'aurais bien voulu que j'arrive à faire quelque chose. Mais en soi, on va pas se plaindre. Hein. Mon petit droïde, attendez, je vais le réparer. Je veux trop faire, absolument. Je vais m'en vouloir. Hein. 23h30, mais ça va, je ne suis pas une petite vieille, je peux. Bonne nuit à tous qui allaient dormir. Ah, qui va dormir? J'ai cru que c'était toi, Linette, qui partait. Oui, je pense que c'est très probable qu'il y ait des corrections. Oui, oui, j'ai vu, je ne sais plus qui a dit. Ah oui, Poppy, c'est toi, ça va anéantir tes modes. Ah bah ouais. Mais non, après, les modes sont réparés si c'est des bons. C'est Seb qui s'en va. Bonne nuit, Seb. Et merci d'être passé. Merci pour ta présence. Bonne soirée à toi.
Au revoir. Allez. Allez. Oh, Marc, c'est calme, hein. Il fait plus de bruit du coup, le pauvre. Je suis dans le rouge total. La pauvre, elle n'est pas gâtée. Hein. Si, si, il faut avoir le rang niveau 2, mais c'est justement, c'était mon gros dilemme. C'est qu'en fait, je me suis dit, je vais rentrer dans la résistance pour pouvoir rentrer. Et en fait, bah, je ne peux pas rentrer dans la résistance parce que je ne peux pas avoir de mission avec la résistance. Enfin, voilà, voilà, quoi. En fait, depuis tout à l'heure, on galère juste pour ça. Je n'ai plus de récupérateur de données. Lancer le protocole, suivre. Je crois qu'on va abandonner pour ce soir parce qu'à mon avis, ça ne va pas fonctionner. Et là, c'est ma dernière chance. Lancer le protocole brouilleur. Votre droïde a brouillé. Ah, oui. Ok. On va aller... Ah, on peut faire diversion. Super, mais il n'y a personne là, mon chéri. Est-ce que tu sais descendre les escaliers? Ça serait cool, hein. C'est comme ça qu'il fait diversion? Ok. J'y vais. Allez, ici. Et c'était quoi? Lire? Non. Non! J'ai pas de récupérateur de données! J'en ai plus! Je suis dégoûtée! Oh non! Mais non! Mais non! On y était! Et on a tout loupé! Mais là, franchement, je vais pas pouvoir refaire. Je suis trop nulle. Et lui, il est vraiment en train de... Ouais, il disjoncte, quoi. Oh, je t'ai vu, toi, là-bas, t'as pété. Tu peux pas descendre, hein, mon chéri. Bah ouais, hein, va pas tomber. Bah si, il est descendu, il est où? Bah non, il est pas descendu. Il est où? Oh si, il est descendu. Ah, ils ont pensé quand même à faire descendre. Coucou. C'est bien, tu voudrais pas? Tu peux pas, toi? Il peut pas, lui? Lancer le protocole, attendre. Oh, j'aurais bien voulu lancer le protocole, donne-moi un bâton magique. Examiner le réseau de la... non, mais... Oui, j'ai vu un petit paix. Elle a réussi à rentrer, on a réussi à tout faire. Maintenant, c'est bon, on sait comment faire. On tient quelque chose, mais... Et voilà, c'est Angie qui débarque. Voilà dans quel état Angie débarque. Ma sim, c'est complètement HS. Et nous n'avons pas le bâton de récupération de données. Donc, on ne peut pas finir notre mission. Et de toute manière, on va se faire embarquer. Ouais, elle va m'engueuler. Lancer le protocole, attendre. Non, non, non. Non, non, non. Vas-y, bats-toi plus fort. Allez, tu peux le faire! Oui, tout ça grâce à R2. Oh, j'ai perdu encore. Non, on s'en va pas! Non, 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 non! Non, courir! Allez, ici! Je peux plus rien faire! Bon, bah... Je peux plus rien faire. Bon, écoutez, hein, je pense que ça annonce la fin de notre live, quand même. 23h35, on aura bien tenu. Vous avez bien souffert à mes côtés. Vous m'avez bien aidé. Ah! En tout cas, c'est bien, c'est intéressant et je suis très très contente. Delay Boaka, bonsoir, merci pour ton follow. Et bienvenue. Je vais sauvegarder, je ne peux pas sauvegarder. Je voulais sauvegarder mais je ne peux pas encore. Et j'étais en train de regarder quelque chose, j'ai pas compris. Et oui, 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 oui. Excusez-moi, je me concentre ma tête, j'étais en train de faire autre chose. Belo, belo, oui, c'est ça. Écoutez, j'ai passé un super moment, je sais plus ce que j'étais en train de dire. En fait, je suis en train d'essayer de chercher un truc sur une autre page, vous l'avez bien compris.
et j'arrive pas à réfléchir et je pouvais pas sauvegarder. Ça m'énerve de pas pouvoir regarder ma partie sans sauvegarder. J'ai trop peur qu'elle disparaisse sans moi. En tout cas, merci pour tout. Merci pour cette super soirée. Si vous voulez, moi, je peux vous envoyer. Tu me confirmes, Tony, c'est bon? Si vous voyez, s'il y en a qui ne sont pas couchés encore et qui veulent continuer, je vais vous envoyer vers une copine, c'est Cyril. On va faire un petit raid vers chez elle. Parce que je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas si elle est en train de faire du Sims ou pas. Mais apparemment, elle est en live. Alors, comme ça, on va finir la soirée. Et moi, je vous remercie énormément. Attendez, il faut juste que je sauvegarde pour pouvoir partir de là. Et voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans tout ça. Et conclusion, franchement, pour le moment, j'ai envie d'y retourner. Donc c'est bon signe quand même. Un pas qu'on a envie d'y retourner, c'est que c'est très très bon signe. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos abonnements. Merci Linette encore pour le cadeau que tu as fait à Lélerne. Merci pour votre soutien. Merci pour vos beaux messages. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Lily, bonne soirée à toi aussi. Bisous Laura, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as bien réussi à coucher tes enfants. Et puis, voilà, je vous fais des gros gros bisous et on part en raid. Tony, tu le fais? Vas-y, et c'est Tony qui lance tout. Je vous embrasse bien fort tout le monde. Ciao, ciao, bisous.